Bonsoir tout le monde, bonsoir, nous sommes en direct, c'est bon, je viens de vérifier. Je suis très très contente ce soir de faire une émission sur la pensée positive et la loi d'attraction avec Michel Guénier, que j'ai rencontré sur Saint-Étienne et que j'ai eu la chance de voir en vrai avant de préparer une émission. Pour une fois, c'est un intervenant qui se trouvait dans ma ville et tout de suite on a accroché, ça a été génial, on a passé un moment à discuter, je crois pendant 2 heures, on n'a pas vu le temps passer, c'est vraiment quelqu'un que j'avais envie de vous présenter, donc je lui ai demandé s'il voulait bien faire une conférence avec nous pour nous expliquer un petit peu ce qu'est la pensée positive exactement et la loi d'attraction, la pensée positive et la loi d'attraction. Donc je vous remercie tous d'accueillir avec moi ce soir Michel Guénier. Bonsoir Michel. Bonsoir Nora. Et ben pour moi, ça a été réciproque, comme tu l'as dit. J'étais vraiment très heureux de te rencontrer et je te remercie de pouvoir faire cette conférence, eh bien, sur ton site. Merci, merci beaucoup. Écoute, on est nombreux à t'avoir attendu ce soir. Donc là, il y a quelques messages, notamment de François qui nous dit bonsoir et merci Nora, Michel. Bonsoir famille de lumière, bonne vibra, partage, love. Merci beaucoup François. Merci. Chantal qui nous dit bonsoir Nora et Michel, heureuse de vous retrouver ce soir. Vaste sujet, n'est-ce pas Michel? Isabelle qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Michel et à toutes et tous. Encore une belle vibra que tu nous proposes ce soir. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Laura qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Michel et bonsoir à tous. Quel bonheur de vous retrouver pour une autre vibra. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Un grand merci à toi Nora pour cette lumière que tu nous apportes. Je te remercie énormément Laura. Merci beaucoup. Et Tim Belin. Un petit dernier message pour l'introduction qui nous dit bonsoir Nora et Michel, bonne vibra à tous, sujet sans doute passionnant. Je veux en savoir plus, comme toujours. Tim, merci beaucoup, Tim. Merci énormément. Eh bien, écoute, moi aussi, c'était ça, en fait, le concept. C'était Michel, viens nous expliquer un petit peu ce qu'est la pensée positive et la loi d'attraction. Est-ce que là, tout de suite, en introduction, tu pourrais nous faire un petit résumé un petit peu de ce que c'est? Et puis, je vois qu'il y a énormément de questions. On va peut-être les laisser pour, peut-être d'ici une demi-heure, environ une demi-heure, 3 quarts d'heure, commencer les questions pour te laisser le temps d'expliquer déjà tout ce que tu sais là-dessus, sur ce sujet. Exact. Parce que souvent, déjà, dans ce que je vais dire, il y aura beaucoup de réponses certainement aux questions. Cette conférence, c'est une conférence que je donne souvent à l'extérieur. Et ben, on s'aperçoit que la question diminue parce que j'explique déjà ça dans le contenu de ma conférence. Alors déjà, ben, bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue dans cette conférence. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Certains d'entre vous seront peut-être surpris par le contenu de ce que je vais vous dire, notamment ceux qui ont lu des livres ou qui ont vu des vidéos sur la loi de l'attraction. Il y a certainement beaucoup de personnes qui ont lu ou qui ont vu des vidéos. Même si je ne vais pas réinventer les bases de la loi de l'attraction, j'aimerais vous proposer ce soir quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que basé sur 35 ans d'expérience que j'ai vécue d'aide de personnes en souffrance, et c'est vrai, souvent on me le dit, c'est pas toujours facile de dire à quelqu'un, ben, si tu as tel et tel problème, il suffit de penser que tout va bien pour que tout s'arrange. Je prends toujours cet exemple qui fait un petit peu sourire, c'est une rage de dents. C'est un exemple C'est vrai. simpliste, mais quand on a mal aux dents, il suffit pas de dire, eh ben, pense que tu es guéri, et 5 minutes après, on n'a plus mal. Alors, à part si vous avez fait un stage chez les moines Shaolin, qui vous ont appris à surmonter la douleur, mais je pense que vous n'êtes pas très nombreux dans ce cas. Alors, dans quoi va intervenir la loi de l'attraction, par exemple, pour une rage de dents? Elle ne va pas vous soigner simplement en pensant positif, mais c'est peut-être par la loi de l'attraction que vous allez trouver, eh bien, une plante qui va vous faire du bien rapidement ou trouver le bon dentiste, etc. C'est simpliste ce que je viens de vous dire, mais c'est quand même important parce que les gens ont souvent une fausse idée de la loi de l'attraction. Et ça, donc, je vais essayer de vous en parler. Alors, aussi, cette conférence, elle est accessible à tout âge. C'est un peu comme les boîtes de jeux de 7 à 77 ans et plus. Donc, dans les conférences que je donne, j'ai même eu des enfants de 8 ans qui ont tout à fait compris ce que je voulais leur dire. J'essaye de ne pas employer de mots scientifiques. Il n'y a pas besoin spécialement de parler de vortex, de cosmos, etc. pour en fait expliquer quelque chose, vous allez voir, qui est vraiment très simple. Par rapport aux gens qui m'écoutent ce soir, je pense qu'on peut avoir des réactions de diverses personnes. Il y a des personnes qui écoutent, qui sont déjà sur la voie. Il y a des personnes qui connaissent la loi d'attraction, qui la pratiquent et qui en tirent déjà tous les bienfaits. Ensuite, vous pouvez être quelqu'un qui pratique la loi de l'attraction, mais sans le savoir. Vous connaissez tous autour de vous des gens qui sont toujours positifs. Il y a des personnes, on a l'impression qu'ils relativisent tout, ils sont heureux, ils sont souriants, hein, Nora? Et ils savent pas toujours, en fait, qu'ils utilisent la loi de l'attraction.
Après, il y a peut-être des personnes ce soir qui sont simplement curieux. Ils ont envie de savoir ce que c'est, en quoi ça peut les aider. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui sont sceptiques. Dis-moi, Michel, est-ce que je peux te demander, je viens de voir un petit commentaire de François qui dit, Michel, est-ce que tu pourrais éloigner le micro de 3 centimètres, alors exactement 3 centimètres de ta bouche. En fait, si tu pouvais est-ce juste que ça le va décaler mieux? un peu vers le bas. Voilà, Est-ce que c'est ça va mieux? parfait. Je te remercie, François. D'accord. OK. Alors, je disais, il y a peut-être des personnes aussi qui sont sceptiques. C'est bien aussi d'être sceptique. On n'est pas obligé de croire aveuglément tout ce qu'on nous dit. Il y a des personnes aussi qui peuvent être réfractaires. Et dans les 35 ans que j'ai eu d'aide en personne, en fait, il y a deux types de réfractaires. Il y a ceux qui ont vécu des choses très difficiles, très lourdes, et qui n'ont plus envie de croire. J'en parlerai tout à l'heure. J'ai souvent eu des personnes qui me disent, mais Michel, quand je fais des consultations, des personnes qui me disent, Michel, moi, j'ai plus envie de croire parce que j'ai prié pour ceux qui ont la foi, j'ai essayé la loi d'attraction, il n'y a rien qui marche. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent être réfractaires parce qu'ils ont envie de dire non à tout. Vous connaissez certainement des personnes, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, c'est toujours non. Comme on dit une phrase, malheur à celui qui croit que la lumière a été faite que pour lui-même. Vous avez des personnes qui croient détenir la vérité, et en fait, on a tous une vérité que l'on détient. Quelle que soit la catégorie, si je peux dire, des personnes que vous êtes, sachez une chose, c'est que moi, ce soir, je ne veux pas essayer de vous convaincre coûte que coûte. C'est pas mon but. Si vous voulez croire, je sais que ça va vous apporter une vie qui sera nettement améliorée. Si vous ne voulez pas croire, je ne veux pas être égoïste, mais c'est votre problème. C'est un petit peu comme si on était dans le désert et que je vous dis, vous êtes en train de mourir de soif et je vous dis, à 200 mètres, il y a une oasis, vous pouvez y aller. Libre à vous de y aller ou de ne pas y aller. Vous aurez tort parce qu'à 200 mètres, il y a effectivement de l'eau et vous pourrez boire. Donc, je ne veux pas chercher tout au long de dire, c'est moi qui ai raison, c'est comme ça que ça se passe. Il faut respecter les convictions de chacun. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ça se produit à chaque fois, c'est que ce soit dans cette conférence, demain, après-demain, dans quelques jours, vous aurez forcément des déclics. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de la loi de l'attraction et ensuite je vais vous parler de comment l'appliquer tous les jours dans tous les domaines. Et il y aura forcément des domaines qui vous impliquent. C'est obligé. Et pour finir là-dessus, la loi de l'attraction n'est pas une secte. Là aussi, dans les conférences que je donne, il y a des personnes qui sont inquiètes, qui me disent, mais ça fait pas un peu secte, la loi d'attraction? Eh bien, c'est complètement même l'inverse, c'est même plutôt anti-secte, parce qu'autant une secte, vous avez besoin d'un gourou pour vous mener, pour vous guider. Là, c'est complètement l'inverse. C'est vous-même qui devez faire ces démarches, c'est dans votre intérieur à vous-même. Donc, n'ayez pas peur, à part si vous avez des charlatans, mais la loi d'attraction n'est pas une secte. Je vais vous parler très brièvement, on va pas s'étaler là-dessus, mais de mon passé, pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi je suis là ce soir. Alors, c'est la séquence émotion. Alors, je pense d'abord que pour aider les autres, il faut déjà avoir souffert soi-même. J'ai eu une enfance très malheureuse, plus que certains d'entre vous, moins que d'autres. On n'est pas là pour faire un concours de souffrance, mais je ne regrette pas du tout ce que j'ai vécu. Alors, ça peut-être paraître bizarre, mais la souffrance que j'ai vécue, notamment au climat familial, m'a quand même apporté beaucoup de choses. Et si c'est à refaire, je voudrais avoir la même vie que j'ai eue en étant jeune. Pourquoi? Parce que, et là, je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Je me suis aperçu très jeune que mes copains d'école, même des adultes, quand j'avais à peu près 15-16 ans, aimaient beaucoup se confier à moi. Pourquoi? Je ne sais pas. J'attirais ce genre de personnes. Ils me confiaient tous leurs petits malheurs. Alors, pour être honnête, je n'étais pas toujours prêt à tout écouter parce que moi aussi, comme je vous dis, issu d'un climat douloureux, j'avais mes souffrances. Mais je me suis aperçu que quand j'avais quelqu'un en face de moi, j'avais un ressenti très, 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 très fort. Et j'arrivais systématiquement à trouver le blocage de cette personne. Alors, ce n'était pas de la voyance, je ne suis pas voyant, simplement une intuition grâce à une sensibilité de jeunesse que j'ai beaucoup développée. Et maintenant, cette intuition, j'ai appris à la contrôler et c'est pour ça que je continue, mais plus dans la souffrance, à aider les autres personnes. Alors après, souvent, j'avais des amis ou des personnes que je voyais qui me disaient, mais Michel, pourquoi tu n'en fais pas ton métier? Parce que tu te rends compte, tu arrives à aider les gens sont contents. Et je vais être honnête avec vous, je n'en ai pas fait mon métier tout de suite. Et genre, je n'en fais pas mon métier, c'est une activité secondaire, parce que je n'étais pas prêt. On ne peut pas dire à quelqu'un, donner des clés pour être heureux si on n'est pas vraiment bien soi-même. Et là, depuis quelques années, très honnêtement, je suis parfaitement bien. J'ai un climat sain de tous les côtés. Et j'ai mis donc ça en place progressivement en disant, eh bien, j'ai quelque chose à apporter aux gens et c'est ce que je veux faire.
Donc, comme je vous disais, c'est un petit peu la loi de l'attraction, une application à ma manière par rapport à beaucoup d'expériences, à plus de 35 ans d'expérience. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que cette fameuse loi de l'attraction. Je vais vous dire pourquoi elle fonctionne, mais aussi pourquoi elle peut ne pas fonctionner. Et ça, c'est important. Déjà, je vais vous poser une question à tous. C'est vraiment la question la plus importante. Est-ce que vous voulez vraiment changer votre vie? C'est très, très important, cette question. Et elle en engendre une deuxième. Si oui, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Parce que j'ai rencontré des tas de personnes qui avaient des souffrances, qui m'écoutaient, qui me disaient « Ah oui, non, mais ça c'est sûr. » Et puis, alors il y a des personnes qui réagissent tout de suite. Mais par contre, il y a des personnes qui vont rester 10 ans dans la même situation parce qu'elles se trouvent dans un confort de souffrance. Elles sont habituées à souffrir. Ce sont des personnes qui se complaisent pratiquement. Alors, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais il faut vouloir changer sa vie pour pratiquer et pour s'en sortir. Donc, la loi d'attraction, c'est quoi? C'est un principe, ou plutôt une base de vie, qui nous enseigne que la plupart, je dis bien la plupart, il faut être très modéré dans ce qu'on dit, que la plupart des choses que nous vivons, nous le créons et nous l'attirons. Que ce soit l'amour, la santé, la prospérité, le travail, ou à contrario, la solitude, la maladie, la pauvreté, le chômage, nous sommes les artisans de notre vie. La loi d'attraction peut faire des miracles. Quand je dis des miracles, ça va de petits miracles qui va faire sourire, comme de trouver une place de parking chaque fois qu'on va en ville, c'est un petit miracle, mais ça peut aussi produire des miracles beaucoup plus importants. Trouver l'âme sœur, se sortir de situation de crise financière, trouver un travail, améliorer sa santé. Et là, je ne suis pas en train de répéter ce que l'on voit sur les livres. Mais j'émettrai une condition, c'est à condition que celle-ci soit en alignement avec votre chemin de vie, avec notre chemin de vie. C'est très, très important. Je vous prends un exemple. Alors, vous verrez, je prends beaucoup d'exemples. Hein. J'aime bien prendre des comparaisons. C'est mon truc. Imaginez, par exemple, que vos parents soient PDG d'une entreprise. Donc, ça vous fait envie, quelque part, je dis bien simplement envie, parce que vous voyez qu'ils gagnent de l'argent, vous voyez qu'ils ont de la renommée, mais vous, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez heureux, par exemple, que quand vous êtes dans les bois, que quand vous êtes avec la nature, avec les animaux. Eh bien, peut-être que vous allez vous forcer, vous aussi, à prendre la succession de vos parents, c'est-à-dire à être PDG. Eh bien, vous aurez de la renommée, vous aurez de l'argent, mais vous ne serez pas heureux. Parce que vous ne serez pas en alignement avec votre chemin de vie. Et ça, c'est vraiment très important. C'est peut-être la raison aussi pourquoi, parfois, on voit des gens qui gagnent des sommes astronomiques et qui dépensent tout et qui, après, sont très malheureux. Il y a des gens qui se mettent dans les précipices. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer tout cet argent. Certainement parce qu'ils n'étaient pas en alignement avec leur chemin de vie. Alors, si ça ne sert pas à quoi, à quoi sert la loi de l'attraction? Eh bien, vous allez voir, comme je vous l'expliquais, elle sert à améliorer grandement votre vie de tous les jours. La loi de l'attraction, on la vit tous les jours, que l'on en soit conscient ou non. On ne pratique pas la loi de l'attraction. En fait, on la vit tous les jours. Et dans le positif comme dans le négatif. Je vais vous prendre plein d'exemples. Regardez, on dit « le monde va mal ». C'est vrai que dès qu'on allume la télé, dès qu'on arrive le lundi au boulot, eh bien, on a nos collègues, on entend les journalistes qui nous disent que tout va mal, en fait. Et pourtant, si vous regardez, depuis tout temps, il y a toujours des personnes qui en échappent. Tout le temps. Il y a toujours des personnes, et heureusement, qui se sortent de ce contexte-là. Et pour les plus anciens comme moi, je me souviens quand il y avait des images déjà qui m'avaient un petit peu marqué, c'était quand il y avait la... On m'entend là, parce que je te vois plus, Nora. Oui, 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 voilà. On t'entend bien. Voilà. C'était quand il y avait la guerre en Irak, il y a quelques années. Il y avait une chose qui m'avait déjà marqué à l'époque, c'est qu'on voyait donc le pays en guerre et une autre côté du pays où on voyait les gens au bord de l'eau, en train de siroter un cocktail, qui riaient. Et je me disais à l'époque, qu'est-ce qui fait que dans le même pays, il y a des gens qui vivent dans la guerre et d'autres qui vivent bien et qui ne se soucient même pas de ce qui se passe dans leur pays. Eh bien, vous allez comprendre que ce n'est pas forcément les gens qui sont nés riches qui vivent ces situations-là. Et puis, regardez, ouvrez une fenêtre. C'est-à-dire que si vous étiez au Moyen-Âge, imaginez-vous au Moyen-Âge et que vous ayez une fenêtre ouverte sur ce qui se passe maintenant. Vous verriez quoi? Vous verriez des gens qui ont une voiture, vous verriez des gens qui ont une maison, vous verriez des gens, pour la plupart, bien sûr, il y a toujours des gens qui n'ont pas tout ça, mais vous verriez des gens qui ont un portable, qui peuvent se déplacer, et vous diriez, si vous étiez au Moyen-Âge, oh là là, mais c'est le paradis! Qu'est-ce que j'aimerais y vivre? Vivement que ça se produise! Vous voyez? Donc, pour ça, pour vous dire que tout est relatif dans la vie. Et
C'est ça la loi de l'attraction. Vous allez voir qu'en fonction du mode dont vous allez penser, il y a des choses graves pour certains et pas du tout pour d'autres. Donc, méfiez-vous des médias et de l'opinion des gens. J'ai vu récemment, par rapport aussi, on nous dit les prix augmentent, il faut se priver. Et j'ai vu un homme un jour à la télé qui avait un bon humour, il a dit « moi, je n'ai rien à faire que l'essence augmente, j'en ai toujours pour 50 euros ». Donc, c'était une façon humoristique de voir les choses. Quelque temps aussi, ils ont fait voir une émission d'une ménagère, donc, qui m'avait pas choqué, mais elle faisait des économies, elle achetait sans arrêt des paquets. Alors là, c'était des paquets de céréales, mais elle faisait pareil avec les gâteaux. Et elle essayait d'acheter là où il y avait des bons de réduction, et au bout de 10 bons de réduction, elle en avait un gratuit. Et donc, elle était toute contente parce qu'à la fin du mois, elle avait économisé 10 euros, 20 euros. Alors, vous allez me dire, oui, mais Michel, 10 euros plus 10 euros plus 10 euros, ça fait peut-être 200 euros à la fin de l'année. Alors déjà, moi, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas tout à fait ça. Parce que, est-ce que ça vaut le coup aussi, pendant des années, de manger toujours les mêmes produits, peut-être avec l'huile de palme et tout ce que ça engendre? Et puis, c'est une fausse idée. Parce que si vous vous mettez dans cette onde de privation, si vous vous dites, je fais ça pour avoir des économies, pour économiser ça, ça et ça, comme vous allez le voir plus tard, eh bien, en fait, vous allez vivre dans la privation. Et vous verrez pourquoi c'est important. Par rapport à tout ça, moi, tout ce que je viens de vous dire, c'est moi qui vais vous poser une question. C'est vous, qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez choisir dans votre vie le côté du pays qui est en paix ou le côté du pays qui est en guerre? C'est la question à vous poser. Alors pour ça, il y a des phrases révélatrices que nous entendons et que nous prononçons très souvent. Par exemple, quand vous dites ou quand vous entendez, de toute façon, je n'ai jamais de chance. Il a toujours mal quelque part. Il est toujours aigri. L'argent ne va qu'aux riches. On entend souvent celle-là. Il faut en baver pour réussir. C'est sûr que si tu n'es pas pistonné, tu ne peux pas progresser. Ou à contrario, tout lui réussit. Il a une santé de fer, il n'est jamais malade. Il a un charme fou, il est toujours bien entouré. Il est toujours dans les bons coups. Ils ont déjà de l'argent, ils continuent d'en gagner. Eh bien, toutes ces phrases, comme des milliers d'autres, ont une importance capitale et en disent long sur la vie que vous avez choisi de vivre. Il est aussi important de ne pas marcher tous les jours la tête basse en portant toute la misère du monde. Je suis sûr que vous avez tous dans votre entourage quelqu'un qui porte toute la misère du monde. Ça ne va jamais. Vous le verrez, c'est quelqu'un qui va marcher un peu courbé, qui aura mal au dos certainement plus tard. On n'est pas obligé de porter toute la misère du monde. Là, maintenant, je vais vous demander votre attention pour vous prouver que la loi de l'attraction existe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La loi de l'attraction, c'est une comparaison tout à fait identique avec des ondes radio. Je m'explique. Par exemple, le matin ou la journée, peu importe, vous voulez écouter de la musique classique. Vous allez allumer votre radio, vous allez les mettre sur musique classique. Si vous vous mettez sur Skyrock, vous aurez peu de chances d'écouter de la musique classique. On est bien d'accord. Pourtant, on peut me dire, c'est des ondes, on ne les voit pas. C'est scientifique. On ne va pas remettre en cause les ondes radio. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent, je crois que ce que je vois. Une onde radio, quand on allume son poste, on ne la voit pas. Eh bien, c'est exactement pareil pour la loi de l'attraction. Il faut être sur la bonne onde. Mais parfois, on est sur la bonne onde, comme on peut être, comme j'ai dit, sur de la musique classique, et puis ça grésille. Ou alors, on ne capte plus du tout. Et ça va bien être à nous de nous déplacer pour nous remettre dans les bonnes ondes. Si vous comprenez ça, eh bien vous avez tout compris de la loi d'attraction. Donc, c'est vraiment très, très important de ne pas douter. Alors, pour ça, eh bien, il y a des petites clés. Et vous allez voir là aussi, c'est un petit peu contraire peut-être à ce que vous avez entendu par rapport aux mots. On dit que les mots ont toujours une importance capitale. Eh bien, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr que il faut arrêter de dire « je ne veux plus être comme ci, comme ça ». Ça, vous l'avez souvent entendu. « Je ne veux plus être pauvre, je ne veux plus être malade, etc. » C'est vrai que si je vous dis aujourd'hui « je ne veux plus être pauvre », vous allez en déduire quoi? Que je suis pauvre et que je veux plus d'argent. C'est normal, je viens de vous le dire. Par contre, si je vous dis « je veux être riche », vous n'allez pas forcément en déduire que je suis pauvre. Mais peut-être que pour moi, ça voudra dire exactement la même chose. Mais là, déjà, les ondes vont être différentes. Je ne vais pas recevoir vos ondes de pitié comme quoi je suis pauvre et que j'ai besoin d'être riche. Vous allez émettre des ondes qui vont être soit neutres, soit différentes de ce que je viens de vous dire. Donc, c'est vrai que si on peut dire « je veux et je vais être comme ceci, comme cela », c'est mieux que de dire « je ne veux pas ». Et vous allez voir où je vais en venir.
Il y a récemment, il y a une personne qui pratique la loi de l'attraction dans une conférence qui m'a dit, Michel, dans les livres et dans les vidéos, on dit que c'est mieux de dire « je suis ». Ça, vous l'avez souvent entendu. De dire « je suis riche, je suis bien portant ». Eh bien, ce n'est pas facile. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Ce n'est pas toujours facile. J'ai reçu plein de personnes. Moi, une fois, j'ai reçu une personne qui était très malade. Elle m'a dit « Michel, je ne peux pas dire « je suis guéri ». Quelqu'un qui avait des galères sentimentales me dit « je ne peux pas dire « je suis riche ». Ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas. » C'est pour ça que ce qui est important, ce n'est pas de dire « je suis », c'est de ressentir que vous allez aller mieux. Et le ressenti, c'est beaucoup plus important que les paroles. Là aussi, je prends un exemple qui fait toujours sourire. Si vous avez une fille qui est mannequin, qui se regarde dans la glace, qui dit bah, « qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui ?», c'est évident qu'elle ne va pas se sentir moche. C'est juste des mots. Par contre, si elle le ressent vraiment, si vous ressentez en vous regardant dans la glace que vous n'aimez pas votre physique, vous n'aimez pas votre façon d'être, c'est complètement différent parce qu'avec, il y a un ressenti. Donc, ça va peut-être en soulager quelques-uns, ce que je dis, l'importance des mots, ce n'est pas si capital que ça. C'est vraiment ce qu'on ressent et je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, la loi d'attraction, c'est ça, c'est de vivre positivement, même dans les moments difficiles, pour attirer, encore avec cette histoire d'eau, le positif et surmonter les difficultés. Après, bien sûr, dans les conférences, on pose souvent ce genre de question qui est normal. Comment être positif sentimentalement quand on est seul et qu'on n'a vécu que des galères? Comment être positif financièrement quand on est à découvert et qu'on reçoit toujours des factures à payer? Comment être positif professionnellement quand on a un boulot qui ne plaît pas, mal payé, avec des supérieurs qui nous méprisent? Comment se sentir bien quand on est malade? Là, je vous dis la totale. Hein. Ah oui, là, c'est ce que je me disais. Je hoche la tête depuis tout à l'heure. Oui, oui, oui. Comment? Attends, je passe tout ce qui est négatif d'abord. Comment être positif quand on a vécu des drames ou un passé très lourd? Eh bien, je ne vais pas vous l'expliquer en une phrase. C'est au déroulement, vous allez comprendre pourquoi et comment on peut s'en sortir. Et moi, si vous posez cette question, je vais vous en poser une autre. C'est à ces questions-là, moi, je vais vous demander, vous, quel choix vous allez faire pour le restant de votre vie? Est-ce que vous allez vous lamenter tous les jours et essayer de trouver du confort, du réconfort auprès de vos proches qui, au bout d'un moment, vont se lasser? Vous connaissez tous des personnes, même des très proches, qui sont toujours en train de se plaindre. Alors, au début, oui, vous prenez pitié, entre guillemets, vous allez les aider, vous allez dire, ben, c'est mon frère, ma sœur, mon meilleur ami. Mais au bout d'un moment, vous en allez en avoir ras-le-bol. Parce que ces personnes, vous allez donner tout ce que vous pouvez et vous voyez que ça ne marche pas, que ces personnes restent dans le négatif. Et si vous faites partie de ces gens-là, je vous le dis, au bout d'un moment, vous allez lasser vos proches. Donc, vous n'avez pas 36 choix. Il n'y a pas de remède miracle. Je ne vais pas vous dire, dites cette phrase, dites tel mantra, faites du home, faites ce que vous voulez. Il faut réagir. Vous n'avez pas le choix si vous voulez vous sortir. Réagir avec des clés. Je vais essayer de vous donner des clés ce soir, mais c'est ce que je dis souvent en entretien. Je vous donne des clés, mais vous êtes libre d'ouvrir la porte ou de rester derrière. Ce n'est pas moi qui vais ouvrir la porte à votre place. Alors, bien sûr, vous avez vos propres raisons. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais il ne peut pas se mettre à ma place, il ne peut pas savoir ce que j'ai vécu. C'est difficile ce que j'ai vécu. Vous pensez sans doute que personne ne peut vous comprendre, que votre douleur est plus forte que celle des autres. C'est possible, mais encore une fois, qu'allez-vous en faire? Et vous verrez plus tard qu'on ne réagit pas tous de la même façon, comme je disais tout à l'heure, à la souffrance et à la douleur. N'oubliez pas que vous êtes depuis votre enfance les artisans de votre propre vie. Le conditionnement de l'enfance a des répercussions importantes et ancrées en chacun de nous. Alors déjà, comment on peut commencer d'utiliser ces codes d'attraction? Eh bien, en trois phases. C'est penser, ressentir et appliquer. Là aussi, je prends un exemple. Vous voulez un petit peu entretenir votre corps et puis on vous parle qu'une nouvelle salle de gym vient ouvrir dans votre quartier. Voilà. Donc là, vous y pensez parce qu'on vient de vous le dire. Après, vous allez peut-être le ressentir. Donc, j'ai pris un petit peu de poids ou ça me ferait du bien, j'ai besoin de me dépenser. Donc là, on est dans le ressenti. Mais si vous ne pratiquez pas, vous ne saurez jamais et ça ne va rien vous apporter d'autre. Donc, la troisième phase, évidemment, c'est de pratiquer. Et c'est qu'en pratiquant que vous saurez si c'est un sport qui vous convient, si votre corps le ressent bien, etc. La loi aussi comporte un autre point qui est très important. C'est de croire fermement à vos demandes. Quand je dis à des demandes, on va en reparler après, ce n'est pas spécialement de demander à quelqu'un, c'est de demander à cette énergie universelle. Donc, croire fermement à nos demandes, même si l'attente peut être longue et désespérante, et ne pas vouloir forcer les choses. Là aussi, je prends un exemple que souvent j'aime bien, qui s'appelle le gâteau d'anniversaire.
Imaginez que ce soit votre anniversaire, vous allez à la pâtisserie et vous demandez une tarte aux pommes, par exemple. Imaginez qu'un quart d'heure après, vous retourniez à la pâtisserie et vous dites « Excusez-moi, je peux voir, là, ce n'est pas des poires, vous m'avez mis, c'est bien des pommes. » Puis vous ressortez, puis 5 minutes et vous y retournez, vous dites « Je peux voir si la pâte, elle est bien cuite. » Et ça, pendant X fois. Bien sûr que vous ne faites pas ça. Vous faites une demande à votre pâtissier, vous faites confiance, et 99 fois sur 100, eh bien, vous aurez quand même le résultat que vous avez demandé. Vous aurez bien votre tarte aux pommes. On est bien d'accord. Donc là, vous n'allez pas aller voir toutes les 5 minutes comment ça se passe. Il est clair que si vous demandez quelque chose et que vous n'y croyez pas vous-même, alors vous ne réussirez pas. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, ou alors c'est que vraiment, il faudra que vraiment que ça soit inscrit et que vous allez réussir malgré tout, mais ça ne sera pas vraiment comme vous l'aurez souhaité. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour les ondes, un état de manque attire le manque. Le malheur attire le malheur, d'où la fameuse loi des séries, comme on le dit parfois. L'amour attire l'amour et la prospérité attire la prospérité. Le plus difficile, et je vous le conseille, c'est vrai que à réaliser dans la loi de l'attraction, c'est d'agir et de ressentir que tout va bien alors que parfois tout va mal. C'est pourtant la seule vérité. Et tout dépend de vos croyances et de votre force à vous aligner positivement. La loi d'attraction, il y a une chose de bien, ce n'est pas une science. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est un état d'être permanent. Il faut vivre le plus souvent positif, même dans les moments difficiles. Et comment on peut faire? Je vais déjà vous donner une petite clé. C'est tous les jours, essayer d'apprécier des petites choses. Ça peut être, je veux dire, il y a des personnes qui disent, moi, quand je vais au travail, j'ai la boule au ventre. Eh bien, est-ce que tu n'as pas quand même au travail des personnes que tu as envie de voir? Une petite pause café. Alors, c'est vrai, c'est pas grand-chose. Quand on sort dans la rue, de voir un enfant qui est en train de rire, des animaux, des oiseaux, des choses comme ça. C'est déjà... Non, je disais, je vois que tu réponds déjà à la question de Alain, qui est, où de nombreuses personnes ont coché la question, ont sur-liké, j'aime bien de dire ce mot, mais même s'il n'existe pas, excusez-moi. Donc, il nous dit, quand nous vivons en branle-bas émotif et que notre monde intérieur est à la renverse, quels outils suggérez-vous pour s'en sortir et transmuter au mieux ces difficultés? Merci du fond du cœur à tous les deux, Alain. Donc, c'est ça, tu dis, quand on est vraiment très, 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 très bas, il faut s'accrocher aux petites choses. Positive, c'est déjà, alors, je dirais en premier, pour répondre à cette question, il faut comprendre déjà pourquoi on n'est pas bien et pourquoi cela nous affecte autant. Parce qu'on verra plus tard, par exemple, sentimentalement, je suppose qu'il y a très souvent, quand on vient me voir en consultation personnelle, très très souvent c'est sentimental. Souvent, après, c'est professionnel, après c'est financier et en dernier, c'est la santé. Alors, peut-être parce que je suis pas médecin aussi, mais très, très souvent, c'est sentimental. Déjà, il faut savoir pourquoi telle relation va autant nous affecter. Mais là, je ne veux pas brûler les étapes. J'en parlerai dans le chapitre sentiment. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est déjà un petit début d'apprécier des petites choses, de boire un café, des petites odeurs, des choses comme ça. Parfois, ça suffit pas. Quand on vient de vivre une grosse douleur, c'est pas suffisant. Mais c'est pourquoi, c'est comme tu l'as dit, Nora, c'est pour se remettre sur la station de la bonne humeur, de la pensée positive, même si on n'entend pas trop ce qui se passe au départ. C'est déjà un petit début, voilà, pour apporter un début de réponse. Merci. Merci Alain. Par exemple, j'ai pris un petit exemple aussi. Alors, je prends souvent des exemples de la vie de tous les jours. Quand il ne fait pas beau, eh bien, il y a des personnes, quand ils ont prévu quelque chose, ça les rend complètement malades. Moi, je vois, si vous prévoyez un pique-nique, par exemple, de longue date, et puis vous voyez qu'il pleut, eh bien, au lieu de pester envers la météo à laquelle vous ne pourrez rien changer, eh bien, vous pouvez transformer les choses autrement. Par exemple, eh bien, regarder un bon film, aller au cinéma en famille ou faire des jeux avec eux. Ça paraît peut-être simpliste, mais ça évite que vous passiez une journée complètement pourrie, n'ayons pas peur des mots. Donc, vous pouvez toujours trouver quelque chose de positif, même à des situations qui vous embêtent. Donc, la loi d'attraction et la pensée positive a aussi quelque chose de vraiment incroyable. Eh bien, elle va vous permettre de rayonner et d'attirer à vous les personnes et les événements. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Moi, Nora, la rencontre avec toi, elle n'est pas le hasard. Et c'est pour ça que c'est vraiment très, très important parce que cette loi de l'attraction, quand on est vraiment dedans, et quand vous allez bien ou pas bien, vous allez attirer plein de personnes qui vont vous aider. Et les événements aussi. Et là, que vous le croyez ou non, je vous garantis que c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est pour ça que je parlais de miracle tout à l'heure. Des moments, c'est tellement beau qu'on a du mal à l'imaginer. Je vais vous prendre aussi, pareil, un autre exemple. J'ai un ami qui est parti travailler au Canada.
Et avant de partir, c'était quelqu'un qui était assez fermé. Et un jour, on a commencé à parler de la loi d'attraction et ça l'a interpellé. Et il m'a dit, ben moi, j'ai un entretien, mais j'ai très, très, très peur de cet entretien. Je ne sais pas comment le gérer. Donc, on a parlé. Encore une fois, ce n'est pas grâce à moi, c'est lui qui a accepté de s'ouvrir. Il a réussi son entretien. Il a réussi à vendre sa maison 15 jours avant de partir au Canada. Sa femme a trouvé du travail là-bas. Ses enfants sont super heureux. Il a tout trouvé. Et je souris parce qu'il m'a posé une question il y a quelque temps. Il m'a dit, Michel, j'ai l'impression de tout réussir, mais est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie à payer ? Les vieux schémas qui reviennent. En fait, on n'a pas le droit d'être heureux tout le temps. Donc, j'ai dit non, tu as le droit de vivre heureux toute ta vie. Et il n'en revient pas. Il se dit, oui, mais ça cache quelque chose. Eh bien non, ça ne cache pas toujours quelque chose. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ça marche. La loi d'attraction aussi, c'est qu'elle s'applique et elle fonctionne quelle que soit la personne, quelle que soit son éducation, son niveau d'études, ses racines. Nous avons tous en nous des possibilités immenses. Encore une fois, tout le monde peut nager ou apprendre, mais certains auront plus de mal que d'autres et d'autres nageront plus vite que d'autres personnes. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas nager. On est bien d'accord, tout le monde peut nager. Donc, tout ce qui arrive de bien, je devrais dire la plupart des choses qui arrivent de bien comme de mal, dépendent pour la plus grande partie de vous. Et c'est ça la loi d'attraction. Vous avez en vous toutes les solutions, toutes les clés. Les psys et les voyants ne détiennent pas vos vérités. Alors, j'ai rien contre eux, j'ai des amis psy et des amis voyants, mais ils ne détiennent pas votre vérité. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de suivre. Je veux dire, je connais des personnes qui ont fait 20 ans de psychanalyse. Ce n'est pas un reproche, mais tant que ces personnes ne voudront pas, comme je disais tout à l'heure, changer, eh bien, vous pouvez faire toute votre vie de la psychanalyse, aller voir un psychologue. C'est pas la psychologue qui n'est pas bonne. C'est simplement que vous n'avez pas ouvert la porte, comme je disais tout à l'heure, avec les clés qu'elle vous a données. Pourquoi ? Parce que tout est en vous. Tu voulais me dire ? Oui, je voulais juste partager un commentaire de Sandrine que je trouve très, très rigolo et que je vais utiliser les jours de grisaille. Elle nous dit, petit point d'humour, quand le ciel est nuageux, maintenant, je me dis que nos amis extraterrestres ont besoin de se balader et qu'il leur faut les nuages pour se cacher. Donc, j'ai trouvé ça très, très drôle. Et voilà comment positiver un jour de pluie nuageux où on ne sent pas bien. J'aime beaucoup Sandrine. Je le garde pour moi. C'est pas mal. Continuez. Donc, par rapport à ça, à ce que je viens de vous expliquer, psy et voyant, alors moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle que j'ai mise sur Facebook, qui dit « Celui qui cherche au loin, ce qu'il ne voit pas tout près de lui, est comme un homme plongé dans l'eau qui se laisse mourir de soif. » Cette phrase est très significative, je vous laisse méditer dessus. Il ne faut pas toujours chercher au loin, vous avez tout à l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire que parfois, on n'a pas besoin d'aide ou un petit coup de pouce, ou besoin de conseils. Mais ça veut bien dire quand même qu'on n'est pas obligé de chercher toujours au loin ce qu'on a à l'intérieur. Des moments, je reçois des personnes qui s'éparpillent de partout. Il y a des personnes qui font de tout, qui vont faire de la numérologie, du tarot, de la voyance et tout. Et bien sûr, au bout d'un moment, elles ne trouvent pas les clés. Voilà, je partage la page Facebook de Michel. J'ai invité quelques personnes à la rejoindre aujourd'hui. Je vous invite à la rejoindre également, si vous en avez envie. Donc, c'est une page qui s'appelle Positive sans E-attitude. Et j'aime beaucoup ton illustration. Oui. Toujours, celui qui cherche au loin ce qu'il ne voit pas tout près de lui est comme un homme plongé dans l'eau qui se laisse mourir de soif. C'est ça. Très bien dit. Ouais, très bien. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, il faut changer sa façon de voir les choses. Il faut accepter aussi que parfois, la souffrance peut être utile, à condition de ne pas en faire son allié. On n'est pas obligé d'être ami avec la souffrance. Mais vous le verrez, la souffrance, elle est souvent très utile pour progresser. Après, je vais répondre à une question que vous allez sans doute poser, parce qu'on me la pose à chaque fois que je fais des conférences à l'extérieur, c'est quelle est ma mission sur Terre ? Alors ça, c'est la grande question de tout le monde. Eh bien, certains sont peut-être un peu déçus de ma réponse. Encore une fois, vous en faites ce que vous en voulez. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Alors déjà, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de mon passé, j'ai eu la chance d'être aidé par des personnes aussi qui étaient évoluées spirituellement, qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté, qui m'ont fait comprendre énormément de choses. Mais aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des charlatans. Alors, ça paraît bizarre, hein, de dire ça. Pourquoi ? Parce que ça va vous mettre en confiance, ce que je vais vous dire.
des charlatans ou des personnes qui n'étaient pas si fortes que je pensais. Parfois, vous allez aller voir des gens, ça répond à la question hein, que je viens de vous dire, vous allez aller voir des personnes et vous allez dire, des personnes même célèbres, hein, des personnes connues, et vous allez avoir l'impression que ce qu'elle vous dit, bah, ça ne vous apporte rien. Pourquoi ? Parce que même si vous ne croyez pas, ça veut dire que vous êtes aussi forte, aussi évoluée qu'eux, voire même plus, mais que vous ne le savez pas. Pourquoi ? Parce qu'on manque de confiance en soi souvent. Donc, quand je dis, c'est pas forcément des charlatans, mais vous êtes parfois beaucoup plus évolué que les personnes que vous allez voir, même si ce sont des personnes de renommée. Et pour répondre à la question, notre mission sur Terre, eh bien, la mission sur Terre, je pense que d'abord, la première réponse, c'est tout simplement d'être heureux. C'est ça, la mission sur Terre. On n'est pas tous appelés à être des élus. On ne sera pas tous président de la République, heureusement d'ailleurs. On ne sera pas tous acteurs, on ne sera pas tous chanteurs, on ne sera pas tous des inventeurs. Simplement, on sera peut-être des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, on sera peut-être uniquement ceci, mais l'important, c'est d'être heureux. Donc, la mission sur Terre, c'est d'être heureux. Après, il y a des vocations, comme l'abbé Pierre, comme sur Teresa, j'en reparlerai un petit peu après. Ça, ce sont des vocations, et eux, ils ont véritablement une mission très, très, très forte sur Terre. Mais on n'est pas tous comme ça. Ensuite, je vais vous parler d'une phrase qui est très importante et que souvent me ressort. C'est pour ça que je voulais vous la citer ce soir, qui s'appelle « La vie est une rivière ». Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. J'ai une amie qui, 20 ans après, me ressort cette phrase. Elle me dit « Michel, j'utilise très, très, très souvent cette phrase ». Donc, je vous l'explique. « La vie est une rivière ». Donc, vous vous imaginez dans une rivière. Vous avez trois choix possibles dans cette rivière. Soit vous essayez de remonter le courant, qui veut dire remonter le passé. Ça, ce sont pour les personnes qui culpabilisent, qui n'arrêtent pas de ressasser le passé. Donc, vous remontez le courant de la rivière, mais évidemment, le courant est très fort et vous allez vous noyer. Vous avez un deuxième choix pour les personnes pressées qui veulent toujours tout faire trop tôt. Eh bien, vous allez plus vite que le courant. Et là, ben, vous allez vous prendre un caillou, vous cogner la tête, faire très mal ou aussi vous noyer. Et puis, vous avez un troisième choix. C'est de vous laisser porter par le courant. Et là, vous allez aller très loin, au rythme qu'il faut, et en plus, vous aurez le temps d'admirer le paysage. Alors, pourquoi la vie est une rivière? Parce que la vie, c'est exactement pareil. La vie, les secondes, les minutes, les jours, les mois, les années s'écoulent, et la vie s'en moque complètement de ce que vous allez faire. Parfois, on dit c'est injuste. Peut-être, mais vous ne pouvez pas lutter. Donc, la vie, que vous soyez triste, que vous soyez gay, que vous alliez très vite, que vous essayez de remonter le courant, elle n'a rien à faire comme la rivière. Voilà, alors j'espère que cette phrase aidera certaines personnes. Ensuite, je vais vous raconter une petite histoire qui me plaît énormément. Certains la connaissent. C'est une histoire qui prouve que même dans les situations les plus désespérées, eh bien, on peut trouver une solution. C'est un petit peu hors sujet de la loi de l'attraction, mais je l'aime bien, donc je vais la dire. Je t'en prie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la fille du fermier et de l'usurier. Donc, eh bien, c'est un paysan qui est très pauvre et un jour, évidemment, il a emprunté de l'argent à un usurier. Et l'usurier, lui, est très méchant. Et un jour, il vient le voir et il lui dit « il faut me rembourser tout de suite, sinon je prends ta maison ». Et puis l'usurier, pas bête, puis peut-être un petit peu pervers aussi, voit que le fermier a une très, très, très belle fille. Alors, il lui vient une idée, il lui propose un marché. Il dit « écoute, je te propose un marché. » Alors, ils sont sur un chemin, c'est important, hein, le fait qu'ils soient sur un chemin de campagne. Il lui dit, je te propose un marché, je vais prendre un sac, dedans, je vais prendre un caillou noir, un caillou blanc. Donc, il prend des cailloux, il les met dans le sac. Et il dit, si tu acceptes le marché, si tu tires ou si ta fille tire le caillou blanc, eh bien, je te fais cadeau de tout, c'est-à-dire ta maison et ta fille. Par contre, si elle tire le caillou noir, eh bien, tu me donnes et ta maison et ta fille. C'est un choix très dur. Hein. Oui. Donc, le pauvre fermier n'a pas le choix parce que de toute façon, il sera à la rue. Donc, voilà. Il dit, bon, ben, de toute façon, je n'ai pas le choix, j'accepte. Mais ce que voit la fille, c'est que l'usurier prend deux cailloux noirs et les met dans le sac. Est-ce que tu as une solution, Nora? Difficile, hein? Difficile, moi je n'aurais pas joué dès le départ. Moi je garde tout. Alors, je vais vous dire ce qu'a fait la fille qui pratiquait déjà la loi de l'attraction, se dit, elle a une très très bonne idée. Donc elle prend le sac, elle met sa main dedans, elle sort un caillou faire et le fait tomber sur le chemin.
Alors, l'usurier dit, ben oui, mais bon, maintenant c'est intelligent, on ne saura pas ce que tu as tiré. Et là, elle répond, elle dit, ben si, s'il reste le caillou noir, ça veut dire que j'avais tiré le caillou blanc. S'il reste le caillou blanc, ça veut dire que j'avais tiré le caillou Bien vu! noir. Voilà. Quand même, Je te présenterai. Donc, tout ça, c'est une petite anecdote, mais marrante pour dire que même dans des situations désespérées, on peut toujours trouver une solution. Ensuite, pour finir avec la loi d'attraction et avant d'attaquer les chapitres que je vous disais tout à l'heure, très très souvent aussi, j'ai rajouté ça ce soir parce que dans la dernière conférence que j'ai donnée, on pose systématiquement cette question. La loi d'attraction, comme j'ai expliqué, c'est nous qui produisons un petit peu notre vie. Et très souvent, on me dit, mais Michel, alors que vient faire là-dedans le karma et le destin? Eh bien, je vais vous expliquer que ce n'est pas incompatible. Si vous lisez un petit peu plus de choses sur le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de supporter toute sa vie. Le karma, une fois qu'on a compris pourquoi on souffrait, pourquoi on avait des choses à améliorer, le karma disparaît. Et la loi de l'attraction peut beaucoup nous aider à faire disparaître ce karma. Ce n'est pas parce qu'on a un karma financier qu'on vivra toute sa vie dans la pauvreté. Pour ceux qui croient au karma, évidemment. Ceux qui n'y croient pas, encore une fois, je ne force personne à croire en quoi que ce soit. Mais je sais que souvent on me pose la question et la réponse, elle est là, c'est que ce n'est pas incompatible. Et la destinée, eh bien évidemment, on n'est pas forcément destiné pour qu'il nous arrive telle et telle et telle et telle chose à telle date, à tel moment. Encore une fois, on a peut-être un karma à vivre, mais la loi de l'attraction peut nous aider. C'est peut-être aussi notre karma de découvrir la loi de l'attraction. Il y a Donc, Elena qui nous dit, c'est vrai, la loi d'attraction fonctionne, il suffit de s'y mettre, de changer sa façon de penser, mais il faut s'y accrocher tous les jours et petit à petit, il se passe des choses positives. Cela commence par des petits riens, mais la différence est là. C'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure déjà. oui, elle a entièrement raison. À une petite nuance près, c'est que parfois ça va très vite. Comme je disais, le cas de mon ami qui est parti vivre au Canada, lui, il a tout vu d'un coup, alors qu'il n'était pas spécialement ouvert. Et encore une fois, et c'est très très bien ce qu'a dit Elena, il ne faut pas se limiter, on va le voir plus tard, on a le droit de tout avoir. Et on verra. Alors maintenant, je vais prendre les différents chapitres. Alors, je suis obligé d'aller un peu vite parce que sinon, il faut des plateaux au repas et puis on aura même le petit déjeuner Bah du attends, matin. il y a juste Corinne qui te dit j'adore l'histoire, superbe, et Marie-Laurence, super ton histoire, ouais. Génial, merci beaucoup. Je la mettrai un jour sur Facebook. Oui. Elle est un peu longue, mais bon. Donc, premier chapitre donc, qui est sur l'amour. Donc, comment expliquer la loi d'attraction, comment on peut l'appliquer dans, comme je disais, dans les différents domaines. Eh bien, déjà, encore une fois, c'est une question. Quel choix avons-nous? On peut vivre dans la haine, on peut vivre dans la tristesse, l'incompréhension, l'amertume, et cette vie va nous paraître vraiment interminable. Ensuite, l'autre choix, on peut puiser tout ce qui est bon et beau dans une vie qui va devenir, comme par magie, agréable et trop courte pour tout faire. Alors la question souvent qui casse, c'est Michel, comment on peut aimer une vie remplie de malheurs, d'obstacles, de stress, de travail, etc. Eh bien déjà, là, je sais que ça, je vais attaquer quelque chose qui est facile et très difficile. Déjà, c'est vous. Le plus important, c'est de vous aimer. Et croyez-moi, c'est vraiment quand je reçois des personnes, le point numéro un, il est là. Mais tout commence par là. Apprendre à vous aimer. Alors, ça ne veut pas dire se regarder tous les jours dans la glace et dire qu'est-ce que je suis beau, je suis vraiment le meilleur. Quoi que si ça vous fait du bien, faites-le. Mais il faut apprendre à vous aimer. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit, ne dis jamais du mal de toi, les autres en diront toujours assez. Alors, j'aime bien cette phrase parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de vous dénigrer et de vous rabaisser. Et pour ça aussi, j'ai un petit exemple. J'ai connu un collègue de travail il y a quelques années qui avait commencé le travail. Écoutez bien cette histoire, elle est vraiment importante parce que peut-être que vous allez vous identifier à ça. J'ai un collègue de travail qui avait commencé donc à 14 ans. Et dès qu'il voyait notre patron passer, il était en admiration devant. Vraiment en admiration. Il disait, ouais, te rends compte, lui, comme il est intelligent, il a des diplômes, il est très, très, très instruit. Alors, je lui dis, bah, je ne sais pas s'il est instruit, mais il ne nous dit jamais déjà bonjour. Donc, pour moi, l'intelligence, on va peut-être en reparler. Et ce gars, donc, un jour, il nous invite à manger chez lui, dans sa maison de campagne, et il me montre sa maison qu'il avait pratiquement retapée de A à Z.
Il avait refait le toit, il avait refait les murs, il avait tout refait. Après, on sort dans le jardin et il me montre donc son jardin, son potager, des légumes, des fruits que lui, il avait plantés. Et puis, évidemment, c'était trop facile pour moi. J'ai dit, dis donc, j'ai dit, là, c'est qui le plus intelligent des deux? Quelqu'un qui sait se nourrir, quelqu'un en cas de problème qui sait abriter sa famille, qui sait se loger, ou quelqu'un qui a lu, ou quelqu'un qui a des diplômes. Ce n'est pas péjoratif, hein, ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on ne sait rien faire de ses 10 doigts non plus. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ça lui a fait énormément du bien parce que je lui ai dit, mais tu te rends compte, là, l'intelligence aussi, tu l'as. Tu l'as parce que tu sais manger, tu sais te nourrir, tu sais te loger. Et bien, depuis ce jour-là, il a vu les choses un petit peu différemment. Et c'est important. Il ne faut pas se dénigrer, il ne faut jamais se rabaisser. Déjà, une chose que vous pouvez prendre l'habitude de faire, c'est arrêtez-vous mentalement et physiquement. Essayez de vous observer. Écoutez les mots que vous employez. Ça aussi, c'est une petite clé que je vous donne. J'ai aussi un petit exemple. Il y a quelques années, j'ai fait une formation à Paris. Peu importe la formation. Mais quand j'ai pris le métro, alors moi, j'aime bien arriver en avance. Moi, je suis toujours une heure en avance. Donc, quand j'ai pris le métro, j'ai vu des gens qui couraient partout. Et bien, je me suis mis à courir en même temps qu'eux. Puis, bon, je me dis, t'es complètement malade, mais pourquoi tu cours? T'as une heure d'avance, prends ton temps. Et bien, je me suis mis à suivre les autres, et là, je me suis arrêté, et je me suis observé. Et je me suis dit, non, calme-toi, t'es en avance, tout va bien. Mais voyez comme quoi, parfois, on peut être entraîné dans cette spirale des autres. Il faut vraiment apprendre à s'observer et à s'écouter. Ensuite, eh bien, l'amour, c'est aussi l'amour des autres. Nous avons tous des défauts et des qualités. L'amour et l'altruisme, ça, c'est un grand mot. Je dirais l'altruisme, c'est bien, mais avec modération. Il ne faut pas aimer l'autre plus que soi-même, par reconnaissance ou par besoin d'être aimé. Et là aussi, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes que je reçois qui donnent tout, mais ce n'est pas parce qu'ils ont les capacités de donner, c'est pour être aimé. Donc, méfiez-vous, l'altruisme, ce n'est pas toujours bon. Alors, parfois, on me dit, bah oui, il faut être égoïste. Un peu. Il faut être aussi un petit peu égoïste. C'est soi d'abord. Ça aussi, c'est apprendre à s'aimer soi-même. C'est très, très important. Ensuite, vous allez avoir la fameuse phrase que tout le monde connaît, « bon et bête ». Alors ça, je l'ai entendu des milliers de fois. C'est deux mots qui commencent par la même lettre, qui vont si bien ensemble. Et bien ça, c'est une phrase dévastatrice et stupide. Parce que ça veut dire que vous avez l'impression d'être trop bon et de n'être jamais récompensé. Alors moi, je connais des gens qui sont bons. L'abbé Pierre, Sœur Thérésa, Sœur Emmanuel. Ce sont des gens qui ont voué toute leur vie pour le bien des autres. Est-ce que vous allez me dire que ces gens-là sont stupides ? Non, vous n'allez pas me dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir donné sans rien avoir reçu en échange. Et je vais vous expliquer aussi ce qui peut vous blesser parfois là-dedans. Donc, il faut donner avec votre cœur et vous serez toujours récompensé. Ce n'est pas un problème. Après, souvent on juge, on dit bah, « telle et telle personne ne mérite pas le bonheur, ne mérite pas la richesse, ne mérite pas ce poste important. » Eh bien, même si c'est vrai, peut-être que vous avez raison, mais en disant ça, vous allez attirer des mauvaises ondes. Des ondes, comme je vous disais tout à l'heure, pensez souvent à ces ondes radio. Hein. Vous allez attirer des ondes de jalousie, vous allez attirer des ondes de méchanceté, et ça, c'est pas bon pour vous. Alors, pour rendre service, là aussi, systématiquement, cette question revient. Il y a des gens qui sont très malheureux parce qu'ils me disent « Ouais, mais moi, j'ai rendu service à mon frère, à ma sœur, à ma mère, mon père, etc. Et je n'ai reçu que d'ingratitude. » Eh bien oui, c'est pas parce que c'est un membre de votre famille qui va vous rendre ce que vous avez donné. Parfois, la joie, elle va devenir de personnes que vous connaissez très peu. Un ami ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans la rue. Donc, n'attendez pas systématiquement un rendu de votre famille et vous en porterez beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment très important ce que je dis. Après, vous n'êtes pas obligé, si par exemple, à votre frère, votre sœur, vous donnez sans arrêt et que vous ne recevez rien en échange à part de l'ingratitude, eh bien, arrêtez de donner. Ce n'est pas parce que c'est votre frère, votre sœur, un membre de famille, que vous êtes obligé de vous mettre à nu pour tout donner. Mais faites très attention, vous serez récompensé, mais pas toujours par la personne que vous pensez. Sinon, ça veut dire quoi? Ben, je te donne ça, il faut que tu me rendes ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, ce n'est pas donner. Là, c'est espérer quelque chose en échange. C'est complètement différent. Et vous verrez, vous en porterez beaucoup mieux. Ensuite, vous entendrez souvent des gens qui disent bon, « Moi, dans la vie, on n'a besoin de personne. » Je vais vous prouver tout de suite que c'est faux. Déjà, là, on est en train de se parler, Nora. On a un ordinateur, on est assis sur une chaise. Il y a des gens qui nous regardent. L'ordinateur, ce n'est pas moi qui l'ai inventé.
la chaise sur laquelle tu es assis, ce n'est pas toi qui l'as inventée. Tu as des livres, ce n'est pas toi qui les as créés. Alors, non seulement c'est faux de dire qu'on a besoin de personne, mais moi, je dirais même plus, on a besoin de tout le monde. Parce que si on n'avait pas des gens, on n'aurait rien de tout ce qu'on a. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais quand tu es dans la, voilà, dans la mouise, eh bien, on est tout seul. » C'est complètement faux. Moi, j'ai eu des périodes très difficiles. J'ai toujours eu des personnes qui m'ont aidé à m'en sortir. Donc, arrêtez d'être aigri et de vous dire qu'on n'a besoin de personne. Là, je viens de vous prouver en quelques phrases que toutes les choses que vous avez qui sont à votre portée, ce n'est pas vous qui les avez créées. Donc, il faut s'ouvrir aux autres. C'est aussi une des clés de l'épanouissement. Ensuite, et là, Nora, tu en fais partie, les gens clés. On a dans la vie des gens clés et des coups de pouce du destin. Si vous pratiquez la loi de l'attraction, comme je disais tout à l'heure, vous aurez toujours des gens clés qui vont être vraiment capitales pour vous. Alors, les gens clés, c'est vraiment, sont vraiment les gens qui vous apportent quelque chose, qui vous permettent d'évaluer dans votre vie. Moi, c'est Nora, ça peut être Catherine, ça peut être Stéphane, je ne sais pas s'ils regardent, mais je ne veux pas citer tout le calendrier qu'il y en a, mais ces personnes-là sont très, très importantes. Par contre, il faut accepter, une fois une dame m'a dit, ben moi, je pense que j'ai rencontré quelqu'un de clé pour moi, ça allait très mal sentimentalement, et j'ai rencontré un homme, mais par contre, maintenant, je suis un peu triste parce que c'est terminé. Je lui ai dit, est-ce que vous avez le sentiment que cet homme vous a aidé? Elle m'a dit oui, il m'a vraiment aidé. J'étais dans une période de ma vie où ça n'allait pas du tout. Je lui ai dit, ben, acceptez ça. Elle me dit oui, mais je suis sûr que c'était l'homme de ma vie. Je lui ai dit, ben, si c'était l'homme de votre vie, pourquoi il n'est pas avec vous? Vous voyez, il faut accepter que parfois, on rencontre des personnes clés, mais ce n'est pas forcément l'homme de votre vie ou la personne que vous allez garder longtemps. Il faut accepter qu'il y a des gens clés, on les a pour une heure, pour des jours, pour des mois ou toute une vie. Mais les gens clés, c'est très, très important. Et à quoi on les reconnaît, comme je vous dis, ce sont vraiment des gens, vous sentez au fond de vous, qui vous apportent quelque chose, qui va vraiment vous aider dans vos vies, ou voire même la transformer. Ensuite, évidemment, eh bien, dans l'amour, il y a l'amour avec l'autre. Eh bien là, pareil, avec toutes les personnes que j'ai reçues, il y a des bases en l'amour. Bien sûr, il y a la tendresse, il y a la sexualité, il y a la complicité, la compréhension, le respect. Mais il y a surtout un truc très, très, très important. Et c'est là où souvent, moi, je rencontre, ça me déchire toujours de voir des gens qui se séparent, c'est le dialogue. Tout vient de là. Le manque de dialogue, alors je sais, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais moi, je suis avec mon mari, c'est impossible de le faire dialoguer. Eh bien, soit vous allez accepter ça pendant quelques temps, et soit ça va se terminer très mal. Le dialogue, c'est toujours très, très, très important. Donc, l'amour, c'est un tout. C'est une chaîne, et lorsqu'un maillon est défectueux, eh ben, la chaîne peut se briser. Et là, Nora, je vais faire ce que je te disais, c'est-à-dire que si tu es d'accord, si on a le temps, je vais expliquer l'histoire de la femme, tu sais, que j'avais rajoutée dans cette conférence. Oui. Peut-être que, j'espère que c'est pas quelque chose que vous avez vécu, mais vous connaissez. Alors, soit il y a des personnes qui écoutent qui auront vécu la même chose, soit vous connaissez des personnes qui ont vécu ça. Alors, c'est pas du tout l'exemple, il est un petit peu long, vous allez voir, mais c'est pas du tout pour porter un jugement. C'est pas simplement pour vous faire comprendre comment on peut se détruire et comment la loi de l'attraction négative peut nous amener à s'embourber davantage. Donc, je vous lis le compte-rendu. En fait, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. J'étais allé voir et je suis resté 3 heures à essayer de discuter. Donc, je vous explique. Donc, elle me dit, bien, voilà mon problème. J'ai 38 ans. Je suis mariée depuis 16 ans. J'ai 2 enfants de 12 ans et 15 ans. Et depuis quelques années, mon mari me trompe. Et parfois, il boit, il se montre violent avec moi. Donc, je lui pose la question, qu'est-ce qui vous a attiré en lui? Eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Vous savez, il a eu une enfance très difficile et j'ai voulu m'occuper de lui. Déjà, on peut remarquer, vous voyez, déjà, c'est quelqu'un qui voulait porter secours à quelqu'un d'autre. Donc, qui souffrait aussi certainement de son côté. Au début, était-il violent avec vous et pour quel motif? Non, il était gentil. Mais parfois, quand il s'énervait, il lui arrivait plusieurs fois de me pousser ou de me prendre de bras violemment. Déjà, il y a un petit signe. Pour quel motif? Pour 3 fois rien, pour des broutilles. Par exemple, plusieurs fois, il m'a reproché que le dîner n'était pas prêt quand il arrivait du travail ou que sa chemise n'était pas repassée. Mais je le comprends. Vous voyez, on commence à excuser. Parce que lui, il travaille toute la journée. Moi, je reste à la maison pour élever nos enfants et je comprends qu'ils soient un peu fatigués ou énervés. Est-ce que cela justifie-t-il qu'il vous secoue? Je ne sais pas, mais après chaque dispute, il me prenait dans ses bras et s'excusait. Quand vous a-t-il réellement frappé pour la première fois? C'était au bout de la 2e année. Lors d'une soirée entre amis, il a cru qu'un de nos amis me faisait des avances
et le soir à la maison, après une vive discussion, il m'a giflé. Et les autres fois, alors là, ça m'a un peu énervé, elle me dit, attendez, je n'ai jamais dit que je n'étais une femme battue et qu'il me frappe tous les jours. Mais c'est vrai qu'il est très impulsif et que plusieurs fois, il m'a poussé contre une porte ou donné quelques gifles. Est-il jaloux? Oui, il est terriblement jaloux. Il ne supporte pas que je parle longtemps avec un autre homme et il n'aime pas lorsque je m'habille un peu court. Alors comment vous habillez-vous? Eh bien, je m'habille comme il aime, car je ne veux pas de disputes inutiles. Quel effet cela vous fait-il quand il vous montre sa jalousie? Eh bien, je suis à la fois heureuse, car cela prouve qu'il m'aime, et à la fois très malheureuse, car cela est difficile à vivre. Et avec vos enfants, comment se comportent-ils? Et là, tout de suite, elle se révolte un peu, elle me dit, ah non, pour ça, il ne les a jamais frappés. D'ailleurs, je ne le supporterai pas. Que feriez-vous si c'était le cas? Je demanderais le divorce sans hésiter. Comment s'occupe-t-il d'eux? Eh bien, c'est vrai qu'avec son travail, il n'a pas tellement de temps à leur consacrer, sauf les dimanches où il les emmène au foot avec lui, car c'est son loisir. Il vous emmène aussi? Non, d'abord, je n'aime pas ça, et puis, c'est mieux de lui laisser un peu de temps pour lui. Faites-vous souvent des sorties, des voyages ou des loisirs ensemble? Non, car déjà pour les voyages, étant donné que je ne travaille pas, nous n'avons pas assez les moyens. Pour les loisirs, je ne peux pas l'empêcher de voir ses copains, car je ne suis pas une égoïste, et puis nous n'avons pas les mêmes goûts. Mais quand même, nous faisons parfois des sorties chez des amis, et nous sommes partis quelquefois à la mer. Pourquoi ne travaillez-vous pas? Eh bien, je travaillais au début, mais mon mari préférait que je reste à la maison pour élever nos enfants. Depuis quand a-t-il une maîtresse? Vous allez voir, quelque chose quand même qui va vous surprendre. Depuis pas mal de temps, je suppose, et je sais qu'il m'a trompé plusieurs fois. Et vous n'avez jamais rien dit? Bien sûr que si, mais chaque fois, ça se terminait par une violente dispute. Pensez-vous qu'il la frappe? Ah non, ça alors, j'en suis sûr. Il faut voir la mégère que c'est. Je pense qu'elle lui en passerait l'envie. Elle s'habille comme vous? Non, certainement pas elle. C'est plutôt le genre décolleté provoquant, la jupe courte, tout d'une, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je croyais que votre mari n'aimait pas ça. C'est exact, mais cela n'a rien à voir avec elle, c'est juste pour le sexe. Et vous, ça ne vous rend pas le sexe? Plus maintenant, vous savez, on s'habitue à tout. En somme, vous êtes en train de me dire qu'il vaut mieux être marié à un homme qui vous frappe, qui ne vous fait plus l'amour, qui est jaloux au point de ne plus voir vos amis et de vous empêcher de vous habiller librement, plutôt que d'être la maîtresse du même homme qui s'occupe de vous, qui vous fait l'amour et qui vous offre des vinos aux chandelles et des cadeaux. C'est comme ça que vous concevez la vie de couple? Bien sûr que non, sinon je ne vous aurais pas demandé votre aide. Pourquoi avez-vous eu un deuxième enfant puisque ça n'allait pas très bien entre vous? Mon mari le souhaitait très fort et m'avait promis que tout irait mieux entre nous après. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais il avait l'air tellement sincère et puis il disait qu'il m'aimait, qu'il ne voulait pas me perdre. Et vous l'avez cru? Disons que j'avais envie de le croire. Maintenant, vous avez fait le bilan de tout le négatif de votre couple. Pourquoi ne réagissez-vous pas? J'étais sûr que vous me poseriez cette question. Vous êtes comme ma famille et mes amis qui me disent la même chose et me conseillent de divorcer. Alors non, jamais je ne conseille à qui que ce soit de divorcer, déjà je n'ai pas le droit. Et en plus, je veux que la personne découvre elle-même ce qu'elle veut faire. Mais jamais, jamais je conseillerais à quelqu'un le divorce. Ce n'est vraiment pas mon intérêt ni mon truc. Et donc elle me dit ça, je suis sans travail et à mon âge, ce n'est pas facile d'en trouver. J'ai deux enfants à élever et puis si je pars, où irai vivre en attendant? Vous êtes, vous, au moins renseigné, avez-vous fait des démarches pour trouver un emploi ou des aides? Non, car je sais très bien que cela ne sert à rien. Et puis, si mon mari l'apprend, ça va être encore un drame à la maison. Et vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie avec un autre homme? Comment? On voit bien que vous ne connaissez pas mon mari. Il me tuerait. Qu'attendez-vous maintenant de la vie? Plus grand-chose. Qu'espérez-vous encore de votre couple? Je ne sais pas. Je me dis qu'avec les années, mon mari changera peut-être, au bout de 16 ans, car de toute façon, je suis sûr qu'avec sa bonne femme, ça ne durera pas des années. Alors, si je vous dis ça, comme je vous dis, c'est pas du tout, cette histoire, c'est pas pour porter un jugement. Il y a un côté où on plaint cette femme, mais il y a un autre côté aussi où on se dit, mais pourquoi elle en arrive là? On voit que ça se dégrade. Pourquoi il la frappe elle et qu'il frappe pas l'autre personne? Alors, je veux pas dire que c'est elle qui provoque, mais je pense que vous aurez bien compris. Par contre, il y a une fin heureuse à cette histoire. Et c'est assez rare, c'est que cette même personne, 8 mois après que je l'ai vue, m'a appelé. Et elle m'a dit, Michel, est-ce que vous vous rappelez de moi? Et je dis, bah oui, quand même, je me rappelle. Elle m'a dit, je voulais juste vous dire que j'ai eu des déclics et que je suis en instance de divorce, même si j'aime pas ce mot, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui maintenant vraiment, j'ai l'impression qu'il me rend vraiment heureux. Donc, il y a quand même eu une fin heureuse et franchement, je ne m'y attendais pas. Parce que quand je suis sorti au bout de 3 heures, je me suis dit, la pauvre, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à s'ouvrir. Et comme quoi, là, je m'étais trompé. Donc, encore une fois, ce n'est pas grâce à moi, c'est vraiment parce qu'elle, elle a accepté de changer, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'était la petite histoire. Alors ensuite, en amour, il y a aussi les premiers amours. Soyez très vigilants avec vos enfants. L'amour, c'est important à tout âge.
Et même un enfant, un ado qui vous dit, eh bien, j'ai eu une rupture, alors c'est vrai qu'il y a un humoriste qui dit une de perdue, 10 de retrouvée, et bien comme il dit, non, une de perdue, ben, t'es tout seul. Donc, c'est pas toujours, c'est pas toujours Ouais. c'est vrai. Donc, soyez très, très, très vigilants. J'ai récemment aidé un jeune hein, qui avait 25 ans, qui a fait 4 tentatives de suicide, notamment à cause d'une rupture sentimentale. Donc, soyez très vigilants. C'est pas rien, une peine d'amour. Même un enfant tout petit, il faut lui parler. Encore une fois, c'est cette notion de dialogue. Donc, ne négligez pas les étapes et les questions. Prenez toujours le temps de parler sans se baser sur votre propre expérience, parce que votre expérience sera différente de la sienne. Bien sûr, vous avez vécu des choses vous aussi, vous pouvez dire ce que vous avez vécu, mais ce n'est pas systématiquement en disant j'ai vécu ça, donc pour lui c'est la même chose. C'est différent pour chaque personne. Ensuite, dans un couple, eh bien, il y a la sexualité. Là aussi, il faut dialoguer. Attention, pour les prétextes, on n'a pas le temps, il y a de la fatigue, il y a les enfants. Même si c'est vrai, faites attention à la sonnette d'alarme et à la routine. Je sais que ce que je dis, ce n'est pas toujours simple, mais là aussi, le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant ben, mon mari me trompe et, ou ma femme me trompe et oui, mais il ne se passait plus rien entre nous, eh bien, c'est souvent comme ça aussi que les couples se dégradent. Ensuite, eh bien aussi, le bonheur. On peut parler un petit peu du bonheur. Je vais vous poser une question. Est-ce que ceux qui ont tout ont le droit de se plaindre? Bien oui, ils ont le droit de se plaindre. Et on a des exemples très concrets. Si vous prenez des gens connus comme Mike Brown, comme Dalida, vous avez en face de vous des personnes qui étaient beaux, qui étaient riches, qui avaient de la renommée et qui se sont suicidées quand même. Alors parfois, on est injuste parce qu'on dit, ah ben, attends, lui, il a tout, il vit super bien, il est en couple, il est marié, il a tout ce qu'il veut et il se plaint. Eh bien, il a le droit de se plaindre. Pourquoi? Parce que déjà, l'être humain est insatisfait. Et puis, en ce moment, malheureusement, eh bien, il y a aussi un mal de vivre. Donc, tout le monde a le droit de se plaindre, même ceux que vous ne pensez pas. Alors, j'ai pris une petite phrase aussi marrante. Je prends l'exemple d'un cadre qui croise un agent de maîtrise. Et puis, c'est l'histoire de se plaindre. Et puis, il lui dit, bah, si tu savais, oh là là, moi, j'ai, dans ma société, il faut que je fasse attention, il faut que je regarde les comptes. Et puis, l'agent de maîtrise, dans sa tête, il dit, ouais, mais attends, entre tes cadres, moi, je suis qu'agent de maîtrise, t'as pas de plainte. Et puis, l'agent de maîtrise va croiser un employé. Et puis, il va lui dire, te rends compte, moi, j'ai une équipe à gérer, c'est pas facile tous les jours. Et l'employé, dans sa tête, il va dire, ouais, mais attends, toi, t'as une équipe, t'as un bon salaire, moi, ça fait des années que j'essaie de passer l'agent de maîtrise et je peux pas le faire. Et puis, l'employé va croiser un chômeur. Et il va lui dire, oui, ça fait des années que je suis dans la même boîte, etc. Et le chômeur va dire, ouais, mais toi, tu as un travail, donc tu n'as pas de pain. Et le chômeur va croiser un SDF. On peut aller loin comme ça. Et le chômeur va dire, ben, moi, j'ai pas de boulot, mais le SDF, dans sa tête, va se dire, tu n'as peut-être pas de boulot, mais toi, tu touches des subventions, alors moi, je suis dans la rue. Tout ça pour vous dire que tout est relatif et que tout le monde, en fait, peut se plaindre. Ensuite, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le bonheur, c'est d'être heureux et de vivre le moment présent. On ne vit pas assez le moment présent. Et une fois, il y a une femme aussi qui est spirituellement, qui est assez forte, qui m'a dit, elle a lu ça, il y a une phrase qui dit, le bonheur, c'est lorsque ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait sont en harmonie. Donc, j'aime bien cette phrase, moi aussi, parce que c'est vrai qu'elle caractérise bien ce qu'est le bonheur. Ensuite, comme je vous disais, il y a aussi dans le bonheur, eh bien, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, il y a les enfants. Eh bien, l'enfant aussi, c'est beaucoup d'amour, c'est de l'affection, c'est le dialogue. Et un jour, on m'a dit, comment faut éduquer un enfant? Alors, c'est ce que je disais, il y a une autre conférence, peut-être plus tard, qu'on donnera ensemble, Nora, Oui, sur, certainement. sur la, sur tout ce qui est ado, enfant, on en reparlera. Mais je pense qu'il n'y a pas de méthode clé. Moi, je vous dis à la meilleure façon d'élever un enfant. C'est de vous montrer positif. Alors vous allez dire, oui, mais il ne parle que de ça, positif, loi d'attraction. Ce n'est pas tout à fait ça. Pourquoi? Un enfant copie les parents. Si vous lui apprenez que d'avoir une dette, si vous lui apprenez qu'une perte, c'est catastrophique, si vous lui apprenez, par exemple, que le travail, eh bien, c'est une corvée, qu'il faut y aller tous les jours, eh bien, votre enfant va vous imiter, va vous copier. Pas tout le temps, mais très souvent. Vous allez lui apprendre qu'en fait, que tout est dur dans la vie. Si vous commencez à dire à votre enfant, oh, ben, tu sais, mon gars, hein, dans la vie, il faut se battre. Hein. Mais non, il faut lui montrer l'inverse. Si au contraire, vous lui montrez que, eh ben, on a une dépense imprévue, eh ben, c'est pas grave. On a, par exemple, un petit souci au travail, c'est pas grave, on va le surmonter. Eh ben, votre enfant va vouloir vous copier.
Et c'est ça la meilleure méthode d'élever son enfant. C'est de lui montrer que dans la vie, tout n'est pas catastrophe. Que parfois, il faut travailler, mais ce n'est pas la peine de rajouter « Ah, il faut travailler dur ». On en parlera ça dans le travail et dans l'argent, vous verrez. Mais il faut lui montrer qu'on peut être positif tout le temps et que dans la vie, bah, il y a des hauts, des bas, mais que les bas, ils ne sont pas très, très, très bas. Donc, c'est ça la meilleure façon. Ensuite, eh bien, pour le bonheur aussi, eh bien, il y a les loisirs. Moi, je dirais que les loisirs sont indispensables, quelle que soit la personne. Il faut arrêter de dire « je n'ai pas le temps ». Alors là, j'entends déjà les femmes qui me disent « ouais, mais je ne peux pas se mettre à ma place, il y a le ménage, les enfants ». C'est vrai, mais il faut quand même vous prendre un petit peu de temps à vous. C'est sûr que vous pouvez être trop pris par votre travail, vous avez des tâches peut-être, je parle des hommes comme des femmes, hein, les enfants à la maison, mais il faut quand même vous consacrer un petit temps. Sinon, vous allez être comme beaucoup de personnes, au bout d'un moment, vous en aurez ras-le-bol, et c'est là où ça risque de faire un clash. Alors, j'ai mis aussi les voyages. Je sais que tout le monde n'a pas peut-être les moyens de voyager. Mais quand je dis les voyages, ça peut être simplement un petit week-end, ça suffit. Mais c'est de voir autre chose. Que vous soyez en famille, en couple ou seul pour les célibataires, cela permet déjà de vous déconnecter de la routine habituelle et de vous ressourcer. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit week-end où vous n'avez rien à faire. Que ça soit pas vous, par exemple, qui vous occupiez des courses, de faire à manger. Alors, les hommes comme les femmes, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais d'être bien, de se faire plaisir. Ça vous permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres lieux. Ça vous permet aussi de vous enrichir intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Ça vous permet de prendre du temps, de regarder l'heure, de ne plus stresser et d'oublier tous les soucis pour le temps d'un petit séjour. Alors là, j'ai un oncle qui va devenir célèbre parce que cette anecdote, je la sors à chaque fois parce qu'elle me fait mourir de rire. J'ai un oncle qui a pas mal d'argent, mais qui aime bien le garder, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a une fois, je lui ai dit, mais t'aimerais pas voyager Et je me rappellerai toujours, il m'a dit, mais tu sais, moi, Michel, je regarde Ushuaïa avec un bon petit plateau télé, ça fait pareil. Alors, vu comme ça, si vous êtes des fans de Ushuaïa, allez-y. Mais par contre, quand j'ai posé la question à ma tante, à sa femme, et elle m'a dit, ben non, moi j'aimerais bien voyager, mais c'est lui qui ne veut pas. Donc voilà, lui se contente de Ushuaïa, après faites comme vous voulez. Mais c'est, je le dis toujours, parce que ça me fait toujours mourir de rire. Alors ensuite, dans le bonheur aussi, eh bien, il y a la contrepartie, il y a les déceptions. Eh bien, bien sûr, dans la vie, bon, on sera tous amenés un jour à vivre des ruptures, des désillusions, comme je disais tout à l'heure, de la souffrance. Même si les ruptures et les désillusions font mal, elles sont pourtant nécessaires à notre évolution, à condition, comme je disais tout à l'heure, de ne pas en faire son allié. Bien sûr, on est révolté. Il y a des gens qui sont révoltés, ils se sentent incompris et ils disent que leur souffrance est différente et plus importante que celle des autres. Il y a des gens qui font une vie que d'échecs et de souffrances. Et ça, c'est pas normal. Maintenant, je vais vous dire, vous allez peut-être me dire, mais non, pourquoi c'est utile la souffrance? On va prendre l'inverse. Imaginez une vie que positive. Quelle joie retirer d'une vie sans effort? Imaginez, vous êtes alpiniste, vous voulez gravir une montagne, il y a un hélicoptère qui vous prend et vous met au sommet. Vous êtes joueur de foot, tout le monde s'écarte pour vous laisser marquer un but. Vous voulez jouer au tennis, l'autre, il s'assoit en vous laissant marquer les points. Il n'y a aucun intérêt. Si on vous donne tout le temps, vous allez peut-être trouver ça bien pendant un temps, mais si ce n'est pas vous qui créez par des efforts, qui réussissez, eh ben vous en aurez vite marre. Donc, c'est pour ça. Je un morceau de Johnny, je suis désolée, qui passe à la tête. Vas-y, qu'on vas-y. Me donne l'envie d'avoir envie. Voilà, c'est exactement ça. Oh, mon Dieu. Ça y est. Bon. Donc voilà, alors bien sûr à condition, comme je dis, de ne pas faire de la souffrance son allié. Ça ne doit pas être une alliée de tous les jours. La vie ne doit pas être faite que d'échecs. Si vous avez des échecs, c'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris votre échec. Donc il faut accepter et en tirer profit. Et en cas de rupture sentimentale, eh bien, il ne faut pas toujours accuser l'autre. Il faut aussi accepter ce qui a été bon dans la relation. Et il y a une phrase aussi qui dit, lorsque l'amour est vrai, rien ne peut le séparer si on sait le préserver. L'amour surmonte tout. L'âge, la distance, le mode de vie, l'origine, la race, l'argent, le physique. Rien n'est plus fort que l'argent, que l'amour, pardon, à condition qu'il soit un moyen de vivre et non de survivre. Voilà pour le chapitre sur
sur l'amour. Merci. Je vais juste lire un commentaire de Benjamin qui te dit « Bonsoir Nora, bonsoir Michel. Très belle émission. Le pouvoir d'attraction, un sujet passionnant. Merci pour ce moment. » Philippe qui te dit « Michel a un humour décapant, j'adore. » Séva qui, qui disait « Merci à vous. » Je viens de sélectionner un commentaire. Alors, Moisiziou, très joli pseudo qui nous dit « Bonsoir à toutes et tous, je travaille avec une collègue qui a tendance à manipuler les gens. Je me suis mis à l'EFT dernièrement et ça allait mieux, mais depuis quelques… » Alors, on n'a pas la fin. Ce n'était pas une question que je voulais prendre là tout de suite, je l'ai prise par hasard. Mais bon, par exemple… Je ne sais pas, comme elle a été sélectionnée là tout de suite, en ce qui concerne les soucis qu'on peut rencontrer au boulot avec ses collègues de travail, tout ça, quand c'est difficile, comment positiver quand même, ou alors comment peut-être prendre cette occasion pour réfléchir à une autre vie. Des fois, ça peut s'améliorer sur place, ou peut-être que c'est un signal pour me dire « Ah, il faudrait peut-être aller ailleurs » ou… Voilà, tout à fait ça. Tu peux faire l'émission à ma place, continue. C'est non. Exactement ça. C'est expérience de vie, pardon. Je partage. Non, mais tu as raison. En plus, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. Et le prochain chapitre, c'est le travail. Et ben voilà, donc comme quoi il n'y a pas voilà. De hasard. Merci, Moisiziou, d'introduire ce prochain chapitre. Je t'en prie. Voilà. Alors, pour l'humour, sachez que c'est vrai que même au travail, j'adore rire. Hein. De toute façon, ça fait partie. Je pense que moi, j'aime être joyeux, j'aime le rire, j'aime la bonne humeur. Donc, je ne vais pas m'arrêter encore. Hein. Donc, pour le travail, j'espère déjà répondre en partie à la question que vous avez posée. Déjà, le travail, c'est un investissement. C'est un comportement personnel. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment des belles choses de la vie. Pourquoi passer sa vie au travail, entasser de l'argent, et là, j'ai fait exprès de dire, si la descendance fait de même. Très souvent, on entend, oui, mais moi, je fais des économies, c'est pour mes enfants. On entend ça. Oui. Par contre, imaginez que vos enfants disent, n'oubliez pas ce que je dis, les enfants copient. Imaginez que vos enfants disent la même chose. C'est-à-dire que vos enfants ne vont pas profiter de votre argent puisque vous leur avez appris qu'il faut économiser pour les enfants, etc. Ils vont économiser pour les enfants, ils vont économiser pour les petits-enfants, etc. Et que va-t-il arriver? Eh bien, un jour, soit il y en a un qui va manger tout le capital, soit l'argent, ben, vous allez le donner à notre cher président de la République parce que vous n'aurez pas de descendance, c'était lui qui va tout prendre. Donc, ça ne veut pas dire, ben, les filles, je fais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire chauffer la carte bleue et dépenser tout ce qu'on a. Les garçons, évidemment. Je savais que tu allais réagir. Ben, tu m'as eu autour de toi, là. Je le savais. Ça ne coupe pas, c'est à chaque fois pareil. Donc, alors, c'est vrai que ce n'est pas un prétexte pour dépenser aveuglément, mais il faut profiter de la vie. Si vous gagnez de l'argent, bien sûr qu'il faut calculer, bien sûr qu'il faut compter, il ne faut pas se mettre dans le rouge toutes les fins de mois, mais il ne faut pas aussi de dire « j'économise au cas où, au cas où ». Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Un crash financier et tout ce qu'il y a sur votre compte en banque, ça vaut zéro. Donc, vivez, profitez. Pourquoi passer sa vie au travail et en faire de l'argent? Ça ne sert à rien. Et puis, pourquoi ne pas avoir temps pour les loisirs, pour la famille? Vous savez, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « mon mari, de toute façon, il passe sa journée au boulot ». Eh bien, ce n'est pas une solution. C'est comme ça aussi qu'on perd tout. Vous avez l'inverse aussi. Vous avez des femmes qui ne veulent pas d'enfants parce que c'est le travail, travail, travail. Et quand je reçois ce genre de femmes aussi, elles me disent « mais qu'est-ce que je regrette? Je suis passé à côté de plein de choses ». Donc, c'est important. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est très important. Et puis, dites-vous bien une chose, et ça, je vous le garantis, je vous prendrai un cas aussi, là, beaucoup plus triste, qui est moins marrant, c'est que personne n'est indispensable et on a toujours très peu de reconnaissance. Et là, je vous prends un exemple. Dans mon travail, j'ai connu une fille qui faisait énormément de déplacements. Elle roulait jour et nuit. Elle avait deux enfants. Et chaque fois, on lui disait, on dit plusieurs, à lui dire, mais il faut que tu arrêtes, tu te rends compte, tu as vu les yeux que tu as, tu vas t'endormir un jour. Ça. Elle disait, oui, mais si je ne fais pas ça, mon travail, il va se passer ça, indispensable. Hein. On lui disait, mais t'es pas en disant, ouais, mais bon, mon patron, il aime bien quand je suis ici, quand je fais ça. Et un jour, eh bien, ce qui devait arriver arriva, elle a eu un accident de voiture, elle est décédée, en laissant deux enfants derrière elle. Alors, ce n'est pas pour pleurer que je vous dis ça, mais ce qui m'a le plus choqué, bien sûr, c'est son décès, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'au bout d'une semaine, plus personne ne parlait d'elle. Comme si elle n'avait jamais existé. À part nous, parce qu'on l'aimait bien, mais plus personne. Si, la seule chose qu'avait dit le chef de l'époque, ouais, mais comment on va faire pour faire telle et telle chose? Vous voyez, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bien dans votre travail, mais honnêtement, décrochez un petit peu. Vous n'êtes pas indispensable, malheureusement. Même si vous avez un travail très, très important. On va en parler de ça aussi. Donc, pourquoi aussi, parfois, certaines personnes sont à fond dans leur travail
Il faut voir si cela ne pallie pas une vie sentimentale ou familiale ratée ou un besoin d'approbation. Si vous connaissez des gens comme ça, regardez si ce n'est pas un petit peu à cause de ça. Ensuite, les récompenses. Ça fait un petit peu animal avec un os, mais j'ai mis volontairement ce mot. Eh bien, nous sommes le plus souvent artisans de notre évolution professionnelle. Vous pouvez vous trouver dans une catégorie que j'ai mis. Alors là, je sais que j'ai des amis qui m'écoutent, ça va les faire sourire, ils savent de quoi je parle. Vous pouvez être au travail, faire partie de ce qu'on appelle les distraits, les oubliés. C'est-à-dire, vous êtes dans un coin, sur votre bureau, personne ne sait que vous existez, vous travaillez très bien, mais à la limite, vous aurez très peu de chances de progresser parce qu'on ne vous connaît pas. Vous pouvez faire partie aussi ou connaître des gens qui font du vent. Alors, vous les connaissez, là, vous les connaissez, ils sont partout, ils font du bruit, ils se déplacent, comme des éoliennes, ils font du vent partout. Ensuite, il y a des personnes qui sont soumises. Quoi que dise le patron, quoi que dise le chef, eh bien, ça va toujours être oui, même si ça les embarrasse, c'est toujours oui. Vous avez des personnes qui sont très, vous voyez, les malins, ce que j'appelle les malins. Alors, eux, ils sont toujours débordés, mais en fait, ils s'en sortent très, très, très bien. Dès que vous amenez un truc, là, non, mais ça, j'ai trop de choses à faire, je peux pas. Et en fait, ils ont pas tant de choses que ça à faire. Alors, vous allez me dire comment on peut être au travail par rapport à tout ça. Moi, je vais vous donner un conseil. Déjà, il faut être soi-même. C'est pas la peine de jouer un rôle. Mais ce qui est important, ça va peut-être en surprendre plus d'un, il faut se considérer aussi important que ses supérieurs et réagir comme tel. Ça ne veut pas dire leur donner les ordres. Mais je prends toujours cet exemple. Imaginez que vous êtes patron, chef de service, et que vous avez en face deux personnes qui viennent chercher un emploi. Vous avez en face de vous une personne qui a énormément de diplômes, qui va vous étaler tous les diplômes, mais qui n'est pas sûr de lui. Il va vous regarder la tête basse, il va se ronger les ongles, il ne va pas tellement vous parler, il ne va pas vous regarder dans les yeux, etc. Et puis, vous allez avoir quelqu'un à côté qui, lui, va vous parler très ouvertement, qui va avoir plein d'idées, mais par contre, qui n'aura aucun diplôme, mais qui va être ouvert avec vous, qui va être assez décontracté. Vous allez voir quelqu'un qui a de la prestance. Qui allez-vous embaucher? Je suis pas sûr que vous embauchez celui qui a plein de diplômes. Parce que vous allez peut-être prendre celui qui émet justement les bonnes ondes. Sauf si vous avez des patrons qui disent, mais moi, pour moi, le diplôme, c'est le plus important. Mais quand même, faut bien réfléchir à ce que je vous dis. Donc, c'est quand même très important que pour vous-même, pour votre amour de vous-même, vous considériez aussi important que votre chef et votre patron. Et je vous assure que ça, ils vont le ressentir. C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas s'abaisser. Ce n'est pas parce que c'est votre chef. Il faut le respecter, bien sûr, mais ce n'est pas parce que c'est votre chef ou votre patron que vous êtes inférieur à lui. Ça, on en a parlé tout à l'heure pour l'amour de soi. Soyez confiant et rassurant quand vous parlez. Ensuite, quelque chose qui peut... Je l'ai rencontré dans le monde du travail, et ça, c'est le fléau, je veux dire. C'est les injustices. Eh bien, les injustices, elles seront toujours présentes dans le monde, que ce soit dans le monde actuel, dans le travail et dans les relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut courber les chines et ne rien dire. Mais ce qui est important, croyez-moi, c'est de ne pas se battre comme des moulins à vent. Vous avez des personnes qui luttent constamment contre des injustices. Eh bien, même si vous avez l'impression que vous avez raison, vous serez toujours de grands perdants. Ça, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que ça va vous occasionner du stress, du mal-être, l'estomac noué, sentiment d'injustice. Très souvent, ça sera des coups d'épée dans l'eau. Et même les gens qui sont syndiqués, il en faut bien sûr, mais très très souvent, ces gens-là, ils s'investissent et jusqu'à s'en rendre malade. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont toujours aller au combat. Mais eux, quelque part, je veux dire, c'est leur job, c'est leur loisir. Mais vous, ne vous investissez pas corps et âme pour défendre une cause. Déjà, vous avez des questions à vous poser. Quelle injustice me touche vraiment ? Est-ce que je ne me suis pas moi-même mis dans certaines situations d'injustice avec ma façon d'agir? On aime bien être les euros des moments, mais c'est pas toujours bon. Qu'ai-je à gagner à lutter sans cesse, même si parfois j'ai eu la joie de gagner quelques combats? Je ne gagnerai jamais la guerre. Voir sa hiérarchie d'un œil différent et positif et arrêter d'être une victime. Par contre, il se peut aussi que vous soyez vous-même chef d'entreprise ou responsable hiérarchique. Eh bien, vous pouvez aussi vous poser le même genre de questions. Alors, je vous rassure, heureusement, il y a aussi des bons patrons. J'ai un excellent ami qui est un très, très bon patron, qui est aimé de ses employés parce que c'est quelqu'un d'humain. Il a souffert, lui aussi. Comme je disais tout à l'heure, pour comprendre certaines choses, il faut avoir souffert. Eh bien, vous pouvez aussi vous poser des questions. Qu'ai-je vraiment à y gagner en menant mon personnel à la baguette? Et même si j'en éprouve une immense satisfaction de pouvoir, est-ce que je suis sur la bonne voie? Pour le moment, je suis le roi dans mon domaine. Mais est-ce que dans le futur, je n'aurai pas besoin un jour d'au moins une de ces personnes que je maltraite et que je néglige?
Est-ce que ma façon d'être au travail ne retentit pas aussi sur ma vie privée? Est-ce que mon comportement me permet d'avoir de vrais amis et de pouvoir me fier à eux? Donc voilà la partie sur le travail. Pour répondre, je ne sais plus qui avait posé cette question, de vivre avec quelqu'un qui est un peu manipulateur. Alors, je ne m'en souviens plus. Ça finissait par Sioux. C'était un peu. Ouais. Alors, bon, tant pis. Donc, la question sous les yeux, mais c'était par rapport à un conflit, en tout cas une situation difficile à vivre avec un collègue de travail, avec une collègue de travail qui mettait une mauvaise ambiance et elle disait pratiquer l'EFT, ça allait, mais on n'avait pas non plus la fin du message. Apparemment, ça allait un temps, mais ouais. Là, ça ne va plus. Je pense que ça doit être ça. Alors déjà, il peut y avoir plusieurs choses. Bon, tout dépend le contexte. Mais moi, je sais que j'ai eu aussi quelques conflits avec des personnes et je me suis toujours expliqué calmement. Le pire, c'est d'être dans le doute et de ne pas parler. Alors après, certains me disent « Ouais, mais avec lui, c'est pas la peine. Avec elle, c'est pas la peine. Comprends. » Mais je suis pas sûr que la personne comprend rien. Par exemple, un jour, moi, j'ai rencontré quelqu'un que dès qu'on lui demandait quelque chose, il s'énervait, il criait tout le temps. Et puis un jour, moi qui suis très calme, quand, dans ces moments-là, je lui dis « Excuse-moi, mais je t'ai fait quelque chose ?» Il dit « Ben non, pourquoi ?» Je lui dis « Ben je sais pas, je te pose une question, tu me cries dessus, j'ai cru que je t'avais fait quelque chose. » Ou alors je lui dis « Ben je sais pas, le courant ne passe pas entre nous, explique-moi, dis-moi ce que j'ai fait. » Et il a été vraiment surpris. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais il m'a dit non, et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelqu'un qui n'était pas bien du tout dans sa vie. Mais simplement le fait que très calmement, je lui demande si moi j'étais responsable de quelque chose et s'il accepte de discuter. Alors, c'est pas pour, cet exemple ne marche pas à chaque fois, mais je pense qu'il faut pas, comme je disais tout à l'heure, être soumis. Faut pas non plus s'énerver parce qu'il y a des personnes qui attendent que ça, que du conflit. Mais je pense qu'il faut désarmer un peu la personne. J'ai indiqué une technique aussi dans une conférence par rapport à un problème que vous pouvez avoir avec un patron. Imaginez qu'un jour, un patron vous convoque parce que vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas. Eh bien, dites-vous bien que le patron, déjà, il est, vous imaginez ça en tête, il est avec son bouclier, son épée. C'est-à-dire, il sait qu'il va vous incendier et il sait que vous allez vous défendre. La méthode, alors s'il y a des patrons qui m'écoutent, ils vont dire mes frères, etc. La méthode à utiliser, c'est déjà de lui dire, quand il vous reproche telle et telle chose, de dire oui, je vous comprends, je suis d'accord avec vous, je comprends que ça puisse nuire à la société, je comprends que là, il s'est passé des choses. Ça ne veut pas dire s'abaisser, se mettre à plat ventre, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement lui faire baisser son bouclier et lui faire lâcher son épée. Il va être surpris parce qu'il va dire ah ben tiens, je m'attendais à un conflit, à un combat, et du coup, il est d'accord avec moi. Par contre, après, vous pouvez lui dire ce que vous avez à lui dire. Sans hurler, évidemment. Mais d'abord le désarmer en disant « Oui, je suis d'accord avec vous. Je comprends. Oui, j'ai fait ça. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû. » Mais si vous n'avez pas tout à fait tort, après, vous pouvez dire « J'ai fait ça, mais aussi parce que c'était dans tel et tel contexte. » Ça passera beaucoup mieux que si vous commencez à dire « Oui, mais attendez, moi j'ai fait ça, mais c'était justifié. » Là, c'est le combat et c'est vous qui allez perdre. Vous voyez ? Donc, désarmer la personne en se mettant sur un plan qui va lui convenir, et encore une fois, c'est pas ne rien dire, c'est pas courber les chines, c'est faire passer l'info, mais d'abord le désarmer. Voilà, là on vient. Donc, pour le travail, c'est fini, à part s'il y a d'autres questions tout à l'heure. Donc maintenant, on va parler de l'argent. Alors l'argent, une grande question, est-ce que l'argent est bon ou mauvais? Alors, eh bien, la réponse, je pense que vous l'aurez deviné, il n'est ni bon ni mauvais, il est ce que l'on en fait. Si vous avez 10 000 euros, vous pouvez acheter des armes, tuer quelqu'un, acheter de la drogue, mais vous pouvez aussi faire des cadeaux à votre entourage, donner de l'argent à des œufs. Donc, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est vraiment ce que vous en faites. Ensuite, on va reprendre cette fameuse phrase que j'aime pas du tout. Si vous avez l'habitude de dire ou d'entendre, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne va qu'aux riches. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ça, c'est la phrase la pire. Eh bien, tant que vous serez d'accord avec ce genre de phrase, vous ne pourrez jamais réussir. Vous ne pourrez jamais augmenter votre vie financière. Car en prononçant ça, vous vous barrez la route à tout ce qui pourrait vous enrichir ou améliorer vos finances. Et ça aussi, c'est un mauvais conditionnement de l'enfance et des dictons. Je vais reprendre quelques-unes de ces phrases. Quand vous dites « l'argent ne fait pas le bonheur », eh bien déjà, nous ne sommes pas tous des ermites ou des peuplades retirées. On a besoin d'argent dans notre société. L'argent est indispensable dans notre société. On en a besoin. Et c'est pas mal d'avoir de l'argent. Par contre, on devrait dire, l'argent n'est pas tout pour apporter le bonheur. C'est ça la vraie phrase. Au lieu de dire, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'est pas tout pour apporter le bonheur.
Ensuite, quand vous dites, quand on entend « l'argent ne va qu'aux riches », eh bien oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent, c'est une énergie au même titre que les ondes. Il va et vient, et c'est tout à fait normal que quelqu'un de positif, qui ne doute pas, sera beaucoup plus avantagé que quelqu'un qui a peur tout le temps du manque. Vous savez, on voit des gens, tout ce qui y touche, c'est de l'or. Par contre, on voit aussi l'inverse. C'est-à-dire, il y en a, au bout d'un moment, ils sont riches, puis ils se mettent à douter et ils perdent tout. Ça prouve bien qu'il se passe quelque chose. Et malgré les faits concrets, nous sommes tous les artisans de notre richesse. Même si vous êtes nés pauvres, sans argent, vous pouvez tous réussir. On a tous le droit d'être plus aisés, et ce n'est pas malsain. Et là, je vais parler d'un sujet, un mot magique, qui est le loto. Alors, on m'a dit une fois, et ça m'a fait sourire, on m'a dit, mais toi, Michel, qui pratique la loi d'attraction, pourquoi tu n'as pas gagné au loto? Alors, j'ai dit, mais pourquoi tu veux que je gagne au loto? Il me dit, l'argent, tout le monde en veut. J'ai dit, mais moi, mon truc, c'est d'aider les gens, je suis bien comme je suis, pourquoi je voudrais gagner au loto? Il me dit, peut-être que si tu avais une grosse somme, tu pourrais ouvrir un truc plus grand, faire plus de choses. Je lui ai dit, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que si j'avais énormément d'argent, j'aurais peut-être qu'envie de voyager, j'aurais peut-être qu'envie de luxe, et je passerais pour ce quoi je suis fait, c'est-à-dire d'aider les autres et d'aimer les autres. Et puis, j'ai posé une question intéressante, je lui ai dit, et toi, pourquoi tu veux gagner au loto? Et la première chose qu'il m'a répondu, il m'a dit, je sais pas. Je lui ai dit, déjà, tu ne pourras jamais gagner. Alors, il me dit, non, il était un peu vexé, il me dit, non, mais c'est parce que je vais bien. Il me dit, c'est pour avoir une maison, un truc qu'on dit tout, pour avoir une maison, une voiture, voyager. Je lui ai dit, mais une maison quoi? Une villa, une cabane, un chalet? Il me dit, une villa. Et j'ai dit, et une voiture quoi? Une Twingo, une deux chevaux, une Porsche, une Ferrari? Déjà, il n'avait rien concrétisé. Donc déjà, là où je veux en venir, c'est que quand on ne concrétise pas des choses, eh bien, on aura beaucoup plus de mal à les obtenir. C'est hyper important ce que je dis. C'est pareil, imaginez par exemple que, là aussi je prends toujours une petite anecdote, vous allez dans une boulangerie et vous avez 1 million d'euros, par exemple, là, on va y aller direct, la grosse somme. Eh bien, si la boulangère vous dit « qu'est-ce que vous voulez ?» et que vous dites « du pain », eh bien, même avec votre 1 million d'euros, elle va être bien embarrassée. Alors, vous allez me dire, vous pourrez peut-être acheter la boulangerie. Mais si vous ne lui dites pas que vous voulez une baguette, une flûte ou une couronne, ce que vous voulez, eh bien, elle ne va pas vous servir. Ça prouve que même avec de l'argent, il faut concrétiser ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, pour en revenir à tout ça, l'argent ne va qu'aux riches. Eh bien, oui et non, bien sûr, j'ai exagéré un peu, mais c'est vrai que quelqu'un qui ne doute pas aura beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui doute. Donc, que faire? Eh bien, déjà, changer sa façon de penser, même lorsqu'on a des dettes et même lorsque les fins de mois sont difficiles. Comme tout à l'heure, je disais, il faut se dire, bien, ça va s'améliorer et je suis sûr que ça va s'améliorer. Bien sûr, peut-être le lendemain, vous recevez une facture, mais si vous dites, alors, je dis que ça va s'améliorer, je reçois une autre facture. OK, mais ce qui est important, c'est quand on est content de payer des factures, c'est-à-dire, je peux la payer, cette facture. Et ça, c'est un gros pas vers le positif. Ensuite, la phrase que je vous disais, la pire pour moi, c'est « on ne peut pas tout avoir dans la vie ». Alors ça, on apprend depuis tout petit. Tu sais, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ben, pourquoi c'est une fausse idée? On est conditionné depuis notre enfance. Par contre, on a le droit, bien sûr, d'être malade. On a le droit d'être pauvre. On a le droit d'être seul et on a le droit d'être au chômage. Alors ça, on a le droit, par contre. Mais on n'a pas le droit du reste. On n'a pas le droit d'avoir tout le reste. Eh bien, c'est faux. Vous avez le droit d'être en bonne santé. Vous avez le droit d'être heureux sentimentalement, financièrement et d'avoir un bon travail. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas 1 sur 4, 2 sur 4. Vous avez le droit de rien avoir, mais vous avez le droit d'avoir les 4. Donc, commencez déjà à penser ça. Et quand quelqu'un vous dit, oula, tu sais, mais toi, tu as déjà ça, tu ne peux pas tout avoir dans la vie, c'est complètement faux. Ensuite, pour finir avec l'argent, il y a le manque. Eh bien, le manque d'argent a plusieurs visages. On peut véritablement manquer d'argent, avoir l'impression d'en manquer ou aussi n'être jamais satisfait de ce que l'on a. L'argent, c'est une énergie. Il faut l'aimer, ne pas être en conflit avec et surtout ne pas être envieux de ce qu'ont les autres. Et puis, est-ce que c'est l'argent qui manque ou ce qu'il représente? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir une maison, etc. Si vous connaissez des personnes qui ont tout dans tous les domaines, ne dites pas que cela est injuste. Vous ne connaissez pas leur passé, leur présent et encore moins leur avenir. Donc, essayez d'avoir une attitude positive et pensez richesse. Rien ne vous empêche aussi d'écrire ce que vous voulez vraiment. Mais au lieu de vouloir absolument de l'argent, concentrez-vous sur ce que vous voulez avoir avec. Et là aussi, je vais vous prendre une émission que j'ai vue il y a quelques années, où on proposait, écoutez bien parce que c'est quand même assez curieux,
on proposait à une centaine de personnes, on leur disait, voilà, qu'est-ce que vous voulez le plus dans la vie? Et les gens répondaient ce que je disais tout à l'heure, une maison, une voiture, des voyages. Et on leur disait, bah, écoutez, on vous achète ça pour 1 million d'euros, ou on vous donne 1 million d'euros, qu'est-ce que vous prenez? Pratiquement la totalité des personnes en prix prenaient le 1 million d'euros. C'est curieux, hein? Alors que leur rêve, c'était d'avoir une maison, une voiture. Pourquoi? Parce que c'est ce manque d'insécurité. Les gens avaient besoin d'avoir ce million pour dire « j'ai de l'argent, ils en font ce que j'en veux ». Donc, c'est quand même assez incroyable tout ça. Ça veut dire que l'argent, c'est qu'un mot, il faut vraiment concrétiser ce que vous voulez avoir. Donc voilà, j'ai fini. Je vais un peu vite hein, parce que, comme je disais, on peut en parler toute la nuit. Hein. Donc maintenant, j'ai fait un… par rapport à la santé… Donc, la santé, bien évidemment, tout ce qui est contre, c'est le stress, le tabac, n'est-ce pas, l'alcool, la drogue, etc. Pourquoi? Ben, parce que, évidemment, ce sont toutes des choses qui peuvent améliorer la, qui peuvent détruire, on peut améliorer la santé autrement. On peut, ça, ça va détruire votre santé. Par contre, faites très attention quand on vous dit que on a tous quelqu'un qui connaît, eh ben, un papy ou une mamie qui a 80 ans, qui a bu comme un trou, qui fume 3 paquets de cigarettes et qui se porte super bien. Cette histoire, on la connaît tous. Eh bien là, par contre, j'ai un exemple personnel. Moi, mon père, on avait l'impression qu'il se portait très, très, très bien et il fumait 2,5 paquets, excusez-moi, c'est un peu intime, mais il fumait 2,5 paquets de cigarettes par jour. Et quand on voyait, on disait, bah, lui, vraiment, il fume et il se porte super. Ben, c'est faux. Parce que ce que les gens ne voyaient pas, c'est que tous les matins, il mettait 1/2 à 3/4 d'heure, c'est ce que le gardien a craché ses poumons et il est mort de ça. Donc, soyez très prudents quand vous entendez cette phrase un peu bête qui dit, oh là là, il y en a, ils boivent, ils fument, ils vivent jusqu'à 80 ans. Vous ne savez pas du tout comment ils vivent, à part si c'est quelqu'un de votre proche et qui est exceptionnel, mais faites très attention. Et pour la santé, évidemment, l'amour, c'est très, très, très bon pour la santé, la pensée positive, mais aussi le sport, les loisirs. Et comme je disais, le sport, c'est très important d'avoir une activité physique. On peut en reparler de ça de A à Z, mais vraiment, c'est très, très important aussi. Il faut respecter son corps. Ensuite, la maladie. Eh bien, il y a beaucoup de maladies, et ça, je pense que beaucoup de gens le savent maintenant, que nous créons par nos comportements et notre façon de penser. Notre cerveau est très puissant et il crée beaucoup, beaucoup de maladies. Et là, tout à l'heure, je voulais parler d'une chose, c'est des arrêts maladie. Alors attention, ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont en arrêt maladie parce que c'est justifié. Mais j'ai connu 2, 3 personnes, voire même plus, qui étaient des pros des arrêts maladie. Et bien que vous me croyez ou non, ces personnes ont toutes eu après des problèmes graves. Et j'en prends une notamment qui, très, très souvent, avait soi-disant mal au dos. Et quand je le voyais, ben, il faisait du vélo, il faisait de la course à pied, ce qui n'est peut-être pas très compatible avec le mal de dos. Il profitait quand même beaucoup de la situation, mais je me suis dit, lui, ça ne durera pas. Et je ne vais pas porter la poisse, mais je l'ai revu quelques années après, et il avait des béquilles. Et quand je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, en fait, il s'est fait broyer les jambes par un engin agricole. Donc, je pense, et je suis même convaincu, que quand vous vous mettez encore une fois dans une situation où vous vous dites malade, même si ce n'est pas vrai, vous pouvez attirer des choses dramatiques. Donc, faites très attention à ça. Ça, c'est vraiment un message que je veux vous dire là-dessus. Ensuite, la maladie, eh bien, quelqu'un qui a la force de se détruire, c'est toujours ce que je dis quand je reçois des personnes, il a aussi une force inimaginable de se construire. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a la possibilité de se produire un cancer, imaginez tout ce qu'il peut faire de positif avec cette pensée très forte. Ouais, c'est puissant dans les deux sens. C'est puissant dans les deux sens. Et là aussi, pareil, il y a quelques mois, où j'ai vu un test à la télévision qui était vraiment incroyable. Ils ont pris 100 personnes dans une salle. En fait, ils ont appelé 100 personnes qui étaient malades, mais de grave à pas grave en fait. Pas grave, pas grave. Il y avait différentes maladies. Cette expérience a été vraiment incroyable. Et ils leur ont dit, ben voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour expérimenter un nouveau traitement? Donc, les personnes ont dit oui. Et donc, on leur a donné ce traitement. Et ce traitement, en fait, c'était un morceau de sucre, mais bien maquillé. Et on leur a dit, ben, vous allez voir et vous nous dites comment vous vous comportez. Il y a 50% des personnes qui ont guéri. Donc ça, c'est l'effet de la pensée. Mais le plus incroyable, c'est que on leur a dit, attention, ce médicament peut entraîner une perte des cheveux. Il y a 20% des personnes qui ont commencé à perdre leurs cheveux avec un morceau de sucre. Wow. Donc ça, ça appelle quand même à réfléchir. Parce que qu'il y ait 50%, on peut se dire, bon, il a été positif, mais quand même, le pouvoir de se détruire, il y a 20% des personnes qui ont commencé à perdre leurs cheveux avec un morceau de sucre. C'est quand même incroyable.
Ensuite, on peut avoir des coups du sort. Des coups du sort, pardon. Eh bien, il y en a qui vont penser que la vie est injuste. Un jour, il arrive un accident, une maladie qui entre dans la vie de personnes sans qu'ils y soient préparés. Eh bien, certains verront quand même cela comme un signe, une réponse ou une possibilité d'orienter sa vie autrement. Un petit peu comme le travail tout à l'heure, quand ce que tu disais, ça permet d'orienter sa vie autrement. Eh bien aussi, parfois, on a des coups durs qui arrivent, on peut orienter sa vie autrement. Ceux qui ont ouvert des associations d'entraide, eh bien, ce sont souvent des choses, des gens qui ont vécu des choses, ou quelqu'un de, ou un proche qui a vécu justement cette maladie. Ça, ça permet aussi de faire des belles choses après. Et il y a des personnes aussi, j'en ai rencontré, qui reprennent un goût immense à la vie après avoir frôlé la mort et qui repartent sur de nouvelles bases. Donc, vous voyez, il faut être très, très, très prudent dans ce qu'on entend. J'ai pratiquement terminé. Ce que je voulais faire, une petite chose, c'est que très, très souvent, on demande, alors, je ne vais pas parler d'église, hein, mais très souvent, on me pose la question, c'est la différence qu'il y a entre la loi d'attraction et la foi. Je pense que c'est utile d'en parler, sans s'étendre dessus pour les gens qui sont oui, croyants. Oui, j'ai vu des commentaires à ce sujet, parce qu'on parle beaucoup du fait d'y croire, et donc on rentre dans cette croyance, cette foi. Alors, je veux bien que tu en touches deux mots, oui. Voilà. Alors, moi, c'est ce qui me dérange, je le dis honnêtement, dans les vidéos et dans les livres sur la loi de l'attraction. Parce qu'on a l'impression que la foi, la croyance n'existe pas. On a l'impression que tout vient de nous. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas incompatible. La différence, c'est que la loi de l'attraction, c'est quelque chose que c'est nous. C'est nous, notre force à nous, c'est l'univers, c'est l'énergie. Et la foi, la différence, c'est que ça s'accompagne de croyances spirituelles. C'est-à-dire, on peut invoquer quelqu'un, peu importe la religion, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit catholique, peu importe, ou qu'on soit rien du tout, mais qu'on croit simplement qu'il existe autre chose. Et bien moi, je dis, pourquoi on n'aurait pas le droit? Et puis, ce qui est important dans la foi, je ne veux pas reprendre les évangiles, mais même Jésus, pour ne citer que lui, il a dit lui-même, il te sera donné selon ta foi. Il n'a pas dit, assis-toi sur le canapé et tout va se produire. Il a dit aussi, aide-toi et le ciel t'aidera. Il a dit aussi, ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le recevrez. Donc Jésus, lui, il a dû créer la loi de l'attraction avant nous. Donc la foi, c'est aussi croire en quelque chose et ne pas douter. Donc, la seule petite divergence, c'est que moi, je crois qu'on peut avoir une aide spirituelle. Encore une fois, comme je disais au tout début, c'est ma conviction. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais moi, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Pourquoi c'est que la foi ou pourquoi c'est que la loi d'attraction? On a le droit de mêler les deux. Peu importe le nom que vous lui donnez, que vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez ange, que vous l'appelez comme vous voulez, moi, je crois fermement qu'on peut recevoir de l'aide extérieure. Et pour moi, ce n'est pas en discordance avec la loi d'attraction. Et puis, si ça vous fait du bien, si ça vous réconforte, si ça vous donne encore plus d'espoir, pourquoi se mettre des limites? Vous savez ce qu'on disait tout à l'heure? Pourquoi s'en priver? On n'a pas à se mettre des limites. Et puis, là aussi, comme pour la loi d'attraction, il y a des degrés. Évidemment, alors, un jour, quelqu'un m'a fait sourire parce qu'il m'a dit, alors, il a pour narguer un peu, mais c'était comique, il m'a dit, ça veut dire que si j'ai vraiment la foi, alors, il aime bien jouer au tennis, il me dit, je peux devenir un champion comme Nadal. C'était une bonne question. Alors, je lui dis, il me dit, si j'ai vraiment la foi. Alors, je lui dis, déjà, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que pour toi, c'est vraiment le numéro un de ta vie de devenir comme Nadal? Alors, il me dit, ben non. Et je pense que, évidemment, la foi, il faut quand même rester lucide. Si à 60 ans, vous voulez jouer comme Nadal, il y a très peu de chances que vous y arrivez. Mais je doute aussi que ça soit votre préoccupation première. Il y a aussi, un jour, dans un stage, ça aussi, c'est assez comique, il y a un maître avec un élève, et puis l'élève lui dit, il faut avoir la foi et il faut croire. Et si moi, je crois, si je me coupe un doigt et que je crois qu'il va repousser, est-ce qu'il va repousser? Et le maître lui répond, est-ce que tu as assez la foi pour croire qu'il peut repousser? J'adore ça parce qu'en fait, c'est jusqu'où peut aller la foi de quelqu'un. Alors, on ne va pas débattre de savoir si un doigt peut repousser ou pas, mais est-ce que notre foi peut nous permettre de croire qu'un doigt peut repousser? C'est toujours des trucs quand même qui sont assez intéressants. Donc, la foi, c'est ça aussi. C'est demander des choses et laisser faire, comme pour la loi d'attraction. Et il faut croire que la meilleure solution sera adaptée à notre cas. Qui dit foi dit aussi prière. Et là, je vais vous dire une chose très importante que je dis absolument à des personnes qui prient. Il y a ce qu'on appelle une fausse prière.
Un jour, une personne, je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus marquant. Un jour, il y a une dame qui vient me voir en consultation, elle me dit Michel, moi, je ne crois plus à rien et je ne prie plus. Et je lui dis, ah bon, je lui dis, ben, dites-moi pourquoi. Elle me dit, ben, ça fait des années que je prie pour être heureux, pour être heureuse, pardon, avec l'homme avec qui je vis. Et je suis très, très malheureuse. Et je lui réponds, ben, c'est normal. Vous ne pouvez pas être heureuse. Elle me dit, ben, quoi, je prie Dieu tous les jours et vous me dites que c'est normal. Je lui dis, oui, parce que, en fait, vous ne faites pas une prière, mais vous en faites deux. Vous faites une prière pour être heureuse et vous faites une prière pour être avec cet homme. Être heureuse, ce n'est pas concret. Cet homme, il est concret parce que vous le voyez tous les jours. Donc, la prière qui a été exaucée, c'est d'être avec cet homme. Mais si être heureuse, ce n'est pas avec cet homme, eh bien, votre prière ne sera jamais exaucée. Et ça, j'espère que ça apporte beaucoup d'aide aux personnes qui prient, qui nous écoutent en ce moment, parce que c'est très, très important de ne pas faire des fausses prières. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Quelqu'un qui se dit, je vais être PDG dans une boîte, mais que qu'il n'est pas fait pour ça, il sera pas heureux, comme je disais tout à l'heure, s'il est fait pour vivre dans la nature. Donc, vous ne pouvez pas demander à être heureuse avec tel homme si cet homme ou si cette femme n'est pas faite pour vous. Comprends ? Ça, c'est vraiment la fausse prière. Ensuite, on demande où il faut prier. Alors, je ne suis pas curé, hein, mais vous avez le droit de prier dans votre chambre. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église. Vous avez le droit aussi de prier avec vos propres mots. Du moment que ça vient du cœur, je pense que là-haut, s'ils nous écoutent, ils s'en foutent complètement de ce que vous allez, des mots que vous allez dire. Ce qui est le plus important, c'est le cœur. Mais je pense quand même que la prière doit être juste et honnête et se réalise vraiment que si c'est pour notre bien. Par exemple, si je prie pour aller voler une banque, peut-être que j'y arriverai, mais les résultats vont être catastrophiques. Pourtant, j'aurais prié. Donc, il faut encore une fois, comme je disais tout à l'heure, être en alignement avec soi-même. Et aussi, quelque chose comme on pose souvent la question, on a le droit de prier pour soi, même s'il y a toute la misère du monde. Il y a des personnes que je connais qui me disent, ah ouais, mais tu te rends compte, si je prie pour moi, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est gentil, mais on s'en fout de ce qui se passe dans le monde. Non, mais ce n'est pas égoïste ce que je suis en train de dire. Vous avez le droit de prier pour vous. Si vous avez quelqu'un... Alors, pour contrer ça, je prends souvent cet exemple. Je dis, imaginez que vous ayez un enfant qui soit très, très, très malheureux. Est-ce que vous auriez envie qu'il vous en parle? Ou est-ce que vous avez envie de dire, si votre enfant vous dit, ah ben non, mais je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas te dire ce qui m'arrive, parce que tu sais, il y a tellement de misère dans le monde, ben, si vous êtes sa mère ou son père, vous n'aurez pas envie qu'il vous dise ça. Vous aurez envie qu'il vous dise pourquoi il est malheureux. Et bien là-haut, c'est pareil. Ils ont envie de savoir pourquoi vous êtes malheureux afin de vous aider. Donc, ne dites pas, oh ben moi, je ne peux pas prier pour moi. Vous avez le droit de prier pour tout. Pourquoi on se met des limites? C'est l'être humain qui se met des limites. On n'a pas le droit de prier parce qu'il y a de la misère dans le monde, parce qu'il y a des plus malheureux. Ben oui, il y a des plus malheureux. Et alors, vous aussi, vous avez le droit d'être heureux et vous avez le droit de prier pour tout ce que vous voulez. Même pour retrouver vos clés si vous les avez perdues. Ce n'est pas interdit. On a le droit de prier. Pourquoi? Parce que, là aussi, j'ai une phrase, nous avons devant nous un puits sans fond, avec de l'eau à l'infini. Et quand nous avons soif, nous ne buvons qu'une toute petite gorgée de peur de ne pas mériter plus. Aucune prière ne reste sans réponse, même si, comme pour la loi d'attraction, cela prend du temps. Et là aussi, ne doutez pas et lâchez prise et faites confiance le temps nécessaire. Voilà, donc là, j'ai terminé. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit par rapport à l'activité que je fais. Alors, déjà, comment ça marche ? Ouais, ouais, c'est vrai, je voulais t'en parler parce que tu dis souvent dans tes consultations, tout ça, comment ça se passe. Alors, comment ça se passe une consultation avec toi et comment éventuellement, si quelqu'un le sent, comment il peut faire pour te contacter, du coup ? Comment alors, ça se passe ? J'espère qu'il n'y a pas de coach qui m'écoute parce que je vais m'attirer des foudres et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, moi, je prends, c'est vrai que souvent, une consultation coûte entre 80 et 120 euros de coaching. Moi, je prends 45 euros. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise consultation, c'est parce que 45 euros, je veux que ça soit accessible à tout le monde. De plus, je ne suis pas psychothérapeute. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous dire, eh bien, c'est une consultation et puis vite prendre mon calepin pour savoir quand est-ce qu'on se revoit. Je ne fonctionne pas comme ça. Il y a des personnes, une fois, ça suffit. Des déclics, c'est une fois. Après, c'est si la personne a envie de me revoir, eh bien, elle me rappelle. Mais c'est libre choix. Il ne faut pas forcer les gens. Et comme je vous dis, ce n'est pas une psychothérapie. Il n'y a pas besoin de 10, 15, 20 séances. Donc, moi, j'applique ces tarifs parce que je le sens comme ça. Je crois que c'est un ressenti. En fait, je veux que tout le monde puisse avoir de l'aide. Donc, voilà pourquoi j'applique ces tarifs. Après, ben, j'habite sur Vosges, dans la région de Saint-Étienne.
je peux me déplacer aussi. Évidemment, si vous me demandez d'aller à Paris, je ne vais peut-être pas y aller. C'est pour ça que, comme Nora m'a expliqué, que j'ai ouvert aussi un compte hein, et que je peux consulter aussi par Skype. C'est vrai, quand tu m'as parlé de ça, je t'ai dit, mais attends, mais tout se fait sur Internet maintenant. Bon, oui, pas Skype, mais je ne connais pas ça, moi. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, moi, ce que j'adore faire, et ce qui est assez surprenant, vous verrez, pour ceux qui si un jour vous êtes intéressés, je commence par un portrait chinois. Alors, un portrait chinois, c'est quoi? Hein, Nora, tu sais ce que c'est maintenant? Oui, c'est vrai que tu m'en as fait un le jour où on s'est connus. Je me dis, c'est quoi un portrait chinois? Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Ça va très loin parce que, en plus, tu es très connecté, entre guillemets. Ouais. Donc, ça va très loin. Et ben, en fait, comme dit Nora, ça va vraiment très, très, très loin. Parce qu'en fait, c'est des questions qui paraissent anodines, du style quel animal aimeriez-vous être? Alors, celui qui répond le lion, il croit que c'est bien, mais pas forcément parce que le lion, c'est quelqu'un qui aime aussi dominer les autres. C'est quelqu'un qui aime laisser chasser la lionne sans rien faire. Alors, il y a tout un tas de questions comme ça, mais qui sont vraiment très, 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 très révélatrices. On peut aller très, très, très loin avec un portrait chinois. Et après, donc, eh ben, je laisse libre cours à la personne de poser les questions qu'elle a envie de poser. Mais encore une fois, j'insiste, c'est si la personne a envie d'être aidée, ça passe. Si la personne vient en disant, de toute façon, tout ce qu'il va me dire, je ne veux pas en faire la moitié, eh bien, vous aurez beaucoup plus de mal à être aidée. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ouais, je te remercie beaucoup d'en avoir parlé parce que souvent je reçois des messages après les conférences, donc comme ça au moins c'est fait. Donc voilà, vous savez comment joindre Michel aux besoins ou si vous en sentez l'envie. Mais alors, avant ça, on va commencer à prendre les questions là tout de suite pour le coup parce qu'il y en a qui ont des questions là maintenant, donc c'est parti. Et il y a notamment Alain qui a posé une question qui a été énormément likée, donc plus de 50 personnes qui te posent cette question. Quelles sont, selon vous, Michel, les principales raisons qui font qu'un projet, qu'un rêve ne s'est toujours pas réalisé, et ce, après maints efforts de visualisation? Merci pour la réponse. Merci à vous deux, Alain. Alors, la visualisation, ça ne fait pas tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je prenais l'histoire de la rage de dents, il ne suffit pas de dire... je visualise par exemple, je ne sais pas quel est le projet, mais je prends par exemple un métier, de voir une profession qu'on veut faire. Déjà, comme je l'ai dit, il faut que ce projet soit en alignement avec notre chemin de vie. S'il l'est, il n'y a aucune raison pour que ça ne se produise pas. Et ça, je suis vraiment catégorique là-dessus. C'est-à-dire que si on est fait pour faire quelque chose, eh bien, ce projet se réalisera. Je ne sais pas si vous avez vu, je m'éloigne un peu, mais il y a une vidéo aussi sur Internet du monsieur qui voulait une Ferrari et qui ne pouvait pas se la payer parce qu'il n'avait pas d'argent. Cette vidéo, elle est assez connue. Et en fait, bon, je ne veux pas m'éloigner, mais c'est un gars aussi qui n'a pas d'argent, qui veut une Ferrari, et puis il se dit, de toute façon, je ne l'aurai jamais. Et puis il se dit, mais quand même, je la veux cette Ferrari. Donc il prend une photo, c'est ce que ça peut répondre aussi à ça, il prend une photo de la Ferrari de ses rêves. Et puis un jour, il y a son voisin qui vient habiter à côté de chez lui, qui est dentiste, et qui a la Ferrari des rêves de ses gars. Donc il se dit, dis donc, c'est pour me narguer, en plus elle est juste sous mon nez. Et puis cette personne va sympathiser avec ce dentiste, et un jour, ce dentiste, ils deviennent amis, ce dentiste part, et il lui dit, je sais que depuis des années tu rêves de cette Ferrari, je te la vends à un prix dérisoire. Donc cette personne a quand même bien réalisé son rêve, mais là où je vais en venir, peut-être pas de la façon dont lui le pensait. C'est pour ça que je dis, il faut demander, il faut commencer des choses, mais lâcher prise. Peut-être que le projet ne va pas arriver de la façon dont on pense. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, méfiez-vous quand on vous dit que sur les livres, que sur les vidéos, qu'il suffit de penser, qu'il suffit de visualiser. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est de le ressentir, de dire, je ressens ça, je suis bien dans cette pensée, c'est un alignement avec ce que je veux. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit une voiture, que ce soit un nouveau travail, que ce soit dans un sport, que ce soit même d'attirer la bonne personne. Quand on est seul, si on se dit moi j'aime pas les brunes, moi j'aime pas les blondes, qu'on se soit, on n'attirera pas la bonne personne. Il faut se dire, je veux simplement quelqu'un qui m'aime et que j'aime. Il n'y a pas de raison que je l'ai pas. Je mérite d'être avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Il faut en être persuadé. Alors, je veux pas refaire toute la conférence, mais comment peut-on en être persuadé si on est seul? Eh bien, il faut être sûr que ça peut se produire. Ça rejoint la foi, ça rejoint ce qu'on disait sur la loi d'attraction. Donc, visualiser, c'est très bien, c'est bien de visualiser. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut un ressenti intérieur. Déjà, est-ce que ce désir, il est vraiment beau? Est-ce qu'on se sent bien dans ce qu'on veut avoir?
Ça, c'est déjà la première question. Et ensuite, est-ce qu'on est prêt à changer? Moi, je connais des personnes qui se disent, moi, mon rêve, c'est de faire tel et tel travail, mais elles ont tellement peur de laisser leur boulot qu'elles ne le feront jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je dis toujours. J'ai aidé quelqu'un, c'est très récent. J'ai dit, on ne peut pas rester dans l'avion et sauter en parachute. C'est soit on se tient à la barre et on ne saute pas, soit on saute et on voit ce qu'il y a après. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile. Je suis tout à fait d'accord. Il peut y avoir la famille, il peut y avoir le besoin de manger, il peut y avoir un tas de choses. Mais tout ça, ce n'est pas incompatible. On peut faire une activité, comme moi j'ai fait, faire une activité tout en gardant son travail et puis laisser venir les choses. Moi, je pense que quand vraiment on est fait pour quelque chose, quand on y croit, on attire tout un tas de personnes. Moi, il y a quelques mois, je n'aurais jamais pensé être là ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et tu sais, je t'en ai parlé. Moi, pour moi, c'est un immense bonheur d'être là. Moi, je réalise déjà un rêve. Le fait d'être là, de parler à beaucoup de personnes, pour moi, c'est déjà énorme. Parce que je suis en harmonie avec ça. Je suis bien. Donc, je ne sais pas ça si ça... Ça s'est senti tout le long de la conférence. T'es fait pour ça. Je te remercie beaucoup parce que les explications étaient très, très claires. Et puis, c'est très fluide. Et j'ai pas parlé beaucoup, donc je parle beaucoup. Donc j'étais tout à l'écoute, comme beaucoup. Et je te remercie beaucoup, beaucoup. Et t'es vraiment à ta place. Bon, merci. Ça va. Merci. Je sais pas si la réponse te convient, si j'ai bien répondu, mais. Mais après... j'espère, Alain, que la réponse te convient. Vu le temps qui défile, je vais vite enchaîner sur la suite. J'espère sincèrement, Alain, que la réponse te convient. N'hésite pas à laisser un petit message si c'est pas le cas. Après, ça n'engage rien. C'est pas parce que les personnes qui souhaitent peuvent m'envoyer un message sur ma messagerie. Je répondrai. Je veux pas leur demander un chèque pour me répondre. Pour répondre, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'ai laissé toutes tes coordonnées sous le commentaire, sous la vidéo qu'on peut retrouver soit sur legrandchangement.tv, donc vous cliquez sur la chaîne LGC2, soit vous avez aussi les infos sur la page Facebook de la chaîne LGC TV2, donc vous allez retrouver les contacts de Michel Guéni. Ce que je veux dire, c'est important, ça n'engage à rien. Je répondrai comme je peux répondre, ça n'engage pas, c'est pas je dis, je vais lui poser une question, mais non, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. C'est très 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 gentil à toi, je te remercie beaucoup Michel. Alors ensuite Arthur qui nous dit « Bonsoir Nora et un grand merci à Michel pour sa participation. Comment les affirmations, méthode Coué par exemple, fonctionnent avec la loi d'attraction ? Merci. » Ben, je ne sais pas, c'est-à-dire, bien sûr que les affirmations, j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué la puissance des mots. Une affirmation, ça ne suffit pas. Et ça, je le maintiens. C'est le ressenti qui marche. Si, comme je disais tout à l'heure, si tous les jours, on se dit « je suis riche », je prends cet exemple, et puis que dès qu'on voit une facture apparaître, qu'on dit « ouais, ben non, finalement, je ne suis pas riche », ça ne marchera pas. La méthode Coué, c'est la loi d'attraction. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on attache trop d'importance aux paroles. Les paroles, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi du ressenti. Il faut se sentir heureux, si on veut être heureux. Il faut se sentir riche, ou alors il faut se dire, eh ben, ma situation financière va s'améliorer, ça va de mieux en mieux, même si pour le moment, ce n'est pas le cas. La méthode Coué, c'est le matraquage parfois des mots. Mais les mots, ça ne suffit pas. Les mots, sans le ressenti. Un exemple tout bête. Un mari est avec sa femme, puis elle lui dit, tu m'aimes ? Il dit, ben oui, tu sais bien que je t'aime. Ben franchement, ça n'a pas bien de valeur. Ça ne va pas porter grand-chose. Alors que s'il la regarde vraiment dans les yeux, je dis ça, ce n'est pas un exemple anodin, parce que souvent, il y a des personnes qui disent, ouais, ben mon mari, quand je lui dis, dis-moi que tu m'aimes, il dit, ben oui, tu le sais bien. Ben oui, entre le savoir et le dire réellement les yeux dans les yeux, c'est complètement différent. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc, les mots ont une portée, mais le ressenti beaucoup plus. Si vous avez quelqu'un qui vous regarde vraiment tendrement et qui vous dit « je t'aime », c'est beaucoup plus que quelqu'un qui va vous dire « je t'aime » à tout bout de champ. Donc, les mots sont importants, mais le ressenti, beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci Arthur pour ta question. Françoise qui te dit « Il faut se dire que quand on donne à qui que ce soit, on recevra par d'autres ou par ailleurs. » C'était par rapport à ce que tu disais, donner, être en attente de recevoir quelque chose, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut donner parce que parfois, ce n'est pas la personne à qui on a donné qui va nous redonner en retour. Il faut lâcher prise et des fois, c'est carrément par un autre biais, une autre personne, une autre situation. Je trouve que Françoise a su dire tout ça en juste une petite phrase très courte. Elle a bien compris, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui. Yves d'ailleurs qui te dit, le lâcher prise par rapport à ta métaphore avec la rivière, le lâcher prise c'est la barque sur la rivière. Oui aussi, oui.
Dominique qui nous dit merci à toi Nora pour le choix de tes invités, merci à Michel pour cet exposé clair, précis et riche d'enseignements. C'est vrai que je te remercie énormément. C'est que de l'intuition, hein, mes intervenants, mes invités, je fonctionne à l'intuition. Ouais. Comme ça, j'ai les bonnes personnes et je peux vous assurer que ce soir, j'ai entendu des choses dont j'avais réellement besoin aujourd'hui. Donc, encore une fois, je me dis, le hasard a bien fait les choses. Je te remercie d'être là. Merci pour tout ce que tu as dit. Non, mais tu n'as pas à me remercier. Moi, je te remercie aussi. Aidé. Je suis content. Ah, Alain qui te dit, la réponse me convient parfaitement. Merci. D'accord. Merci beaucoup, merci pour tous vos messages. Alors, je repars vite sur les questions que j'avais mises de côté. Alors, Gilliane qui nous dit « Bonsoir Michel et Nora, j'ai pratiqué la loi de l'attraction sans beaucoup de réussite. Est-ce dû à mon manque de foi, confiance en l'univers, ou bien j'ai mal fait quelque chose dans l'application de la loi ? Je me pose 1000 questions. Merci, Gilliane. » J'adore cette question. J'adore cette question. Je vais dire pourquoi, je vais répondre. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, à la fin de l'exercice, qui n'a pas marché. C'est un peu ce qu'elle dit. C'est un petit peu, voilà, en fait, elle a joué un jeu et puis ça n'a pas marché, elle a arrêté de jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi de l'attraction, c'est un état d'être permanent. C'est un état d'être de tous les jours. On ne pratique pas la loi de l'attraction pour un mois, un an, comme ça. Moi, je vis tous les jours dans la loi de l'attraction. Et tous les jours, je ne dis pas « je suis dans la loi de l'attraction », je sais que j'y suis. Ça m'empêche pas parfois d'être triste comme tout le monde, je suis un être humain, il y a parfois des périodes un peu plus difficiles que d'autres, mais je sais que ces périodes ne sont pas graves et qu'il y aura toujours une bonne solution. Donc la meilleure réponse que je peux lui apporter, c'est que c'est pas un exercice qu'on fait un temps. Si elle vit dans la pensée positive, dans la loi d'attraction, sa vie va obligatoirement, et puis là je suis vraiment confiant, va obligatoirement se transformer. Tu vois ce que je veux dire, Nora ? C'est pas un exercice qu'on fait puis qu'on arrête après. C'est une manière de vivre. Et c'est là la véritable réponse, c'est pas un exercice, c'est une manière de vivre tous les jours. Et là, elle réussira si elle prend l'habitude. Comme je disais, même au travail, boire un petit café, discuter avec ses copains, parler de tout et de rien, peu importe, il faut se sentir bien, bien avec les autres, bien en toutes circonstances. Vous savez, des moments, on va dans des soirées où on s'ennuie à mourir. Eh bien, même là, on peut essayer d'aller vers une personne, de discuter avec elle, de trouver un petit intérêt quelque part. Il faut vivre les choses, il faut voir les choses belles, même si parfois elles sont un peu moches. Il faut essayer de se détacher du noir des choses pour aller un petit peu vers ce qui est un peu plus clair. Tu sais, je prends toujours aussi un exemple en disant, si vous allez dans un bar où il y a des gens qui boivent, eh bien, vous allez avoir des discussions avec des gens qui boivent. Si vous sortez du bar et que vous allez vers des personnes qui sont pas dans ce domaine-là, eh bien, vous aurez des conversations beaucoup plus intéressantes. C'est à vous de savoir où vous voulez aller. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre tout le temps avec des personnes qui boivent. Vous pouvez changer de milieu. Et ça, c'est très important, sa question. Comme je dis, j'aime bien parce que je pense que ça reflète la question de beaucoup de personnes. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On vit comme ça, mais on n'essaye pas ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci, Gilliane, pour ta question. Ça me fait penser à des trucs. Moi, j'essayais de trouver le positif partout, même quand j'étais caissière, je me souviens dans un Auchan, ou enfin, en même temps, je fais Auchan, Intermarché, Ikea, tout ça. J'avais aligné ce genre de boulot et j'essayais de trouver des petits trucs positifs à chaque fois. Enfin, par exemple, ah, cette fois-ci, je vais ranger les sacs super bien, ça va être super carré. Ah, cette fois-ci, je vais essayer de biper les trucs un maximum de, enfin, super vite. Ah, bah, tiens, je vais essayer de filer le maximum de cartes de fidélité aujourd'hui. Je me fais des petits concours, des petits challenges, des petits trucs. Quand je faisais de la maroquinerie, c'était pareil. Ah, bah, tiens, la texture de telle chose ou telle chose. Enfin, essayer de trouver des petits trucs positifs. Puis, une fois que j'avais épuisé mon sac, je me disais, bon, là, il faut changer de boulot parce que. Voilà, c'est juste que tu m'as coupé l'herbe sur les pieds. Maintenant, tu es dans un boulot que tu aimes. Donc, ça prouve bien que tu as changé quelque chose en toi. Oui, mais j'ai fait de la place déjà. Voilà. J'ai fait de la place pour et il y a une prise de risque. C'est vrai que je connais d'ailleurs une amie récemment qui avait un job, qui faisait deux choses, une passion et en même temps, elle avait un job alimentaire. Puis, elle voulait que ça évolue. Puis, elle a quand même pris ce risque de lâcher le job alimentaire et de dire voilà. Alors, bien sûr, elle n'a pas prévu sur après-demain, mais elle avait prévu ses arrières pour demain. Voilà, métaphoriquement. Donc, elle a prévu un minimum ses arrières, puis elle s'est dit, allez, je vais lâcher prise et je vais voir et je vais essayer d'envoyer plein d'ondes positives, essayer d'y penser, mais sans y penser tous les jours pour lâcher prise, pour se dire, allez, un petit coup de main, j'aimerais bien, moi, je veux m'y mettre à fond et c'est parti. Et elle a libéré de l'espace et là,
sont arrivées plein de synchronicités, plein de coups de chance. Et là, elle est à fond dans son boulot, elle s'éclate. Mais il y avait quand même cette petite prise de risque à prendre et surtout cette place à libérer. Coup de chance entre guillemets. Mais il fallait sauter le pas. Effectivement, il y a un moment où on se dit, je le fais ou je le fais pas, et en même temps j'ai envie. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, même si ça le fait pas, même si c'est pas pour tout de suite, j'avais envie de faire de prendre ce risque une fois dans ma vie, d'oser, de me dire, allez, lâche tout, c'est pas grave, t'as pas de sous, t'es en fin de chômage, tu sais pas ce que ça va donner le mois prochain. Et finalement, bah, me voilà aujourd'hui avec cette chaîne qui continue, qui grâce à tous les auditeurs, même les cours par vidéo en prix libre qu'on propose, le prix libre, c'est un sacré challenge. Et je tenais quand même à le mettre en place parce que je pensais à moi qui avait vraiment pas de sous. Et j'aurais bien aimé avoir les infos, donc je me suis dit, allez, je le lance, c'est pas grave, on verra bien si c'est la bonne solution, ça va fonctionner. J'arrive à vivre tous les mois comme ça. Bien sûr, tous les mois sont incertains. Hein. C'est le mois prochain, je sais pas ce qui va se passer, ainsi que le mois suivant. Mais je m'en fiche, je lâche prise, je me dis, tant que ça roule, eh ben, c'est que c'est bon, je suis bien à ma place. Et voilà, après. Il faut que tu continues. Exactement, ça veut dire que je continue. Et puis, bon, en tout cas, je suis partie pour continuer un moment. Et puis, même, j'aime tellement ça que je me dis, bah, tu sais, si j'arrive plus en vie financièrement à un moment, je reprendrai quand même un job à côté, mais je le ferai quand même de l'autre côté. C'est mais trop bien. Ne pense pas ça. Non, c'est voilà. C'est juste pour me rassurer. Ça dure une fraction de seconde, mais sinon, mon énergie pour l'instant, elle est plutôt sur. Non, c'est cool. Le Kiss Kiss Bango va super bien marcher. J'ai plein de projets. J'ai tellement de choses à faire. Je me vois plutôt en train de réaliser des documentaires plus tard à rajouter sur, comme base d'information sur cette chaîne d'infos. En plus des conférences, les autres émissions, c'est là que je mets toutes mes pensées, toute mon énergie. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps le smile, parce que en fait, je me prévois un petit avenir super beau. Alors, je reste déçue. Alors, attention quand même, une chose, il n'y a pas forcément une prise de risque quand on change quelque chose. C'est vrai. Pas forcément. Ça a été mon cas et le cas de mon ami, ce n'est pas forcément ça. C'est vrai que ça peut être aussi super fluide. C'est important de le dire. Et d'ailleurs, quand j'y repense, cette petite prise de risque, je me l'étais moi-même installée. Donc, finalement, on est vraiment créateur de son avenir et des difficultés autant que des facilités. Et une fois que j'ai compris ça, j'avance plus sereinement, plus facilement. Donc, la pensée est très, très importante. Alors, on continue avec Mireille. Désolée de parler un petit peu de moi. On continue avec Mireille qui nous dit « Rebonsoir, dites-moi Michel, est-ce que si l'on est un peu en colère de temps en temps, mais pas longtemps, ça fout tout en l'air ? Je me pose depuis longtemps cette question. Merci pour votre réponse, Mireille. » Alors, elle a répondu elle-même à sa question. On a le droit d'être en colère. Déjà, on est tous des êtres humains. On a le droit parfois d'être envieux, on a le droit parfois de piquer une crise, parfois même ça fait du bien. On ne peut pas toujours être sur le même plan, mais la colère, ça ne fout pas tout en l'air. Évidemment que si Mireille est en colère tous les jours dès qu'on lui dit quelque chose, eh bien déjà, les gens ne vont pas la voir comme quelqu'un d'agréable. Mais se mettre en colère de temps en temps, de dire non, il faut savoir dire non. C'est hyper important. Encore une fois, ce n'est pas dire non à tout. Mais des moments où on n'est pas d'accord, on a le droit de dire non. Et puis quand la personne ne comprend pas, on a le droit de se mettre en colère. Du moment qu'il n'y a pas de violence non plus. Mais il faut s'affirmer aussi. Ça ne veut pas dire non à tout, c'est ce que je disais. Ce qui est important, c'est d'écouter, de dire « bon, ben là, je suis d'accord » ou « là, je ne suis pas d'accord » et « je dis que je ne suis pas d'accord ». Il faut faire la différence entre être tout le temps en colère, avoir un état, ça aussi c'est important, colérique, et se mettre en colère de temps en temps parce qu'on subit une injustice ou qu'on n'est pas d'accord. Ce qui est le plus important, encore une fois, j'insiste, c'est le ressenti. On a le droit de se mettre en colère. Si on a un état profond de colère, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on a quelque chose qu'on n'a pas réussi à expulser. C'est pas du tout la même chose. C'est comme quelqu'un qui, de temps en temps, va pas avoir le moral, ou quelqu'un qui est complètement dépressif. Eh bien, on n'est plus du tout dans les mêmes choses. On est bien d'accord. C'est vrai. Merci. Merci Mireille. Alors, je poursuis avec Marie. Ah bah tiens, Marie, c'est pas une question, c'est un commentaire, et elle te dit « c'est vraiment un homme bon, merci pour ce partage, Marie ». Eh ben, je la remercie aussi. Et ça continue avec Sylvie qui te dit « il est rare de rencontrer une personne comme Michel qui est véritablement dans l'aide et qui demande une participation financière plus que correcte. Merci Sylvie ». Oui, c'est moi qui avais dit à Michel à l'époque « tu peux donner ton tarif à l'antenne parce que ça change tellement de ce qu'on entend, c'est quand même sympa ». Je te remercie. Ah oui, tu m'avais dit, donc je n'osais pas, c'est vrai que je suis assez réservée là-dessus. Mais voilà, quand je vois les prix, parfois, je ne critique pas, hein, chacun applique ce qu'il veut, mais je pense que tout le monde a le droit. Et c'est pour ça que j'insiste, on a le droit de me poser des questions par Internet et je ne veux pas facturer quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous étions à environ 3 000 ce soir. Hein, donc. Alors, heureusement que tu ne l'as pas dit avant.
La pression. Donc voilà, pas tous les messages ce soir, pas tous les messages d'un coup. Ben moi, quand je suis partie, j'ai toute la nuit. Hein. C'est vrai. Alors, il y a Alain qui a posé beaucoup de questions ce soir et qui a permis de regrouper beaucoup de personnes dans ces questions. Donc, je reprends une des siennes. Il nous dit « Crois-tu, Michel, qu'avant de naître, nous nous étions déjà programmés un plan de vie, mais que l'éveil spirituel et le déconditionnement du mental nous permettent actuellement de le dépasser ?» Merci à vous deux, Alain. Ça aussi, c'est une question que j'aime beaucoup. Par contre, c'est une question, je vais prendre encore une fois l'occlusion des pincettes pour y répondre, parce que tout le monde n'adhère pas à ça. Moi, c'est personnel, je crois que notre âme a choisi une vie, un corps. C'est ce que je crois, moi. Après, une fois, comme je disais, je n'oblige pas les personnes à croire. Mais pour moi, ça explique beaucoup de choses. Ça explique ce que je disais tout à l'heure, le chemin de vie. C'est-à-dire qu'on choisit des épreuves que l'on va surmonter plus ou moins bien. Mais oui, moi, je crois à la vie après la mort. Ça, j'y crois. Là, ça serait trop long. Il faudrait faire une autre conférence complète sur ce sujet où je pourrais apporter des choses dessus. Mais sans entrer dans ces détails, je pense que, oui, Alain a tout à fait raison. Je pense qu'on choisit cette vie, on choisit ce corps, on choisit cette famille. Et pour essayer justement d'évoluer. Pour moi, l'âme est ici pour évoluer. On n'y réussit pas tous. Des moments, il faut plusieurs vies. Alors là, je suis désolé de répondre ça, mais là, c'est vraiment ma conviction personnelle. Mais c'est une question quand même assez orientée là-dessus. Donc, je réponds très honnêtement ce que moi, je pense. Après, comme je dis, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Michel, le webmaster qui nous transforme les vidéos en MP3, qui est dans le coin, qui nous dit « J'adore, merci de m'avoir fait connaître ce monsieur, Nora, ça me parle. » Michel. Ben merci, Ali, c'est super gentil. Je suis vraiment très, très touchée. Parce que ça ne paraît pas comme ça, je me dis à rire et tout, mais je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Alors ensuite, Yves qui nous dit « Comment déprogrammer une mauvaise pensée ? Comment savoir la mauvaise pensée bloquante qui peut être enfouie plusieurs années auparavant ou inconsciemment ?» Yves. La mauvaise pensée, comme on dit, c'est quand tu ne te sens pas bien. Ben, je tutoie, tant pis. Mais c'est vraiment quand tu ne te sens pas bien. C'est-à-dire, comme je le disais, je reviens encore sur ce que je disais, quand on n'est pas en alignement, on ne se sent pas bien. Et comment la déprogrammer? Eh bien, c'est pas toujours évident. Ça serait facile de dire encore une fois, comme sur les vidéos, eh ben, il suffit de penser ça pour que ça se produise. Parfois, c'est un travail. Alors, je veux pas dire que ça peut être long, parce que justement, c'est contre ce que je crois. Ça peut être très rapide, ça peut se faire en une heure, comme ça peut se faire beaucoup plus longtemps. Mais pour déprogrammer, ben, il faut voir déjà pourquoi on a attiré par cette pensée négative. Qu'est-ce qui a pu faire? C'est un peu ce que j'expliquais à la femme tout à l'heure battue. Il y a des femmes qui reproduisent systématiquement ce même schéma. C'est-à-dire, elles vont rencontrer que des hommes qui vont les frapper. Pourquoi? Il faut déjà trouver pourquoi on s'est mis dans cette situation. Et pourquoi ça ne nous convient pas. Et après, je veux dire, ce que je vais répondre à un truc bête. Comment arrêter de fumer? Eh bien, il faut se dire, je ne prends plus une cigarette. C'est bête hein, comme réponse. Mais c'est pourtant la seule solution. Vous pouvez aller voir, vous mettre des patchs, vous pouvez aller voir des hypnotiseurs, ce que vous voulez, ça va vous aider. Mais si vous n'avez pas décidé de changer et d'arrêter de fumer, vous n'arrêterez jamais. Eh bien, pour une mauvaise pensée, c'est exactement la même chose. Dès cette conférence, dès ce soir, eh bien, il faut se dire, eh bien, j'arrête. J'arrête d'avoir cette mauvaise pensée. Je me reprogramme. J'ai su me détruire. J'ai su me programmer pour avoir des mauvaises pensées. Eh bien, pourquoi je ne pourrais pas faire l'inverse? Et encore une fois, c'est un ressenti. Si on ressent que ce qu'on vit, ce n'est pas bon, eh bien, c'est que ce n'est pas bon. Il faut se faire confiance. Il faut apprendre à s'aimer et à se faire confiance. Je ne sais pas si ça répond vraiment, mais c'est ce qui me vient pour lui répondre. Oui, ça convient. Merci énormément pour tous les commentaires que vous écrivez. Pareil, il y en a beaucoup. Alors, je lis pas mal et il y en a énormément qui me touchent beaucoup. Et je te ferai un copier-coller d'ailleurs de tous les commentaires de ce soir parce qu'il est déjà 22h12. Donc, je vais prendre 2-3 questions si tu me le permets. Si tu es encore dispo, je te vois bien éveillé. Donc. Oh ben moi, quand c'est un sujet qui me passionne, pour ça, j'avais dit d'amener un plateau repas. Hein. Ouais. je mettrai ça sur Facebook. Attention, ce soir, plateau repas, c'est Michel qui arrive. On s'installe. Mais ça me touche vraiment beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour vos messages.
Voilà, ça me touche beaucoup. Merci. Allez, je vais prendre la question de Claire. Les questions de Claire. Je vois deux points d'interrogation. Alors, qui nous dit « Bonsoir Nora et bonsoir Michel, merci pour ce que vous faites. J'aimerais savoir si le travail de la loi d'attraction doit se faire en silence et si focaliser veut dire répéter en permanence. » Merci de votre réponse, Claire. Ben, j'ai déjà répondu à cette question et ce n'est pas méchant hein, ce que je dis. Mais en fait, ce n'est pas un travail. Il n'y a pas à répéter quoi que ce soit. Encore une fois, répéter, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mots. Il faut vivre positivement. Il n'y a pas, ça me gêne un peu ce mot travail, parce qu'on a l'impression que la loi d'attraction, c'est quelque chose qui va être dur à obtenir. Par exemple, on travaille pour obtenir un salaire. Donc, salaire veut dire travail. La loi d'attraction, comme je l'ai dit, on la vit tous les jours. Que l'on en soit conscient ou pas, dans le bien comme dans le mal, ce que j'ai dit tout à l'heure dans la conférence, on la vit tous les jours. Donc, on est déjà dedans. Et tous, il n'y a personne qui ne vit pas dans la loi d'attraction. Donc, ce n'est pas un travail à faire sur soi. C'est juste, alors oui, quelque part, c'est un travail à faire sur soi si on veut changer sa vie. Il y a des choses qu'il faut déprogrammer, comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Yves. Il y a des choses à déprogrammer, c'est certain. Mais ce n'est pas un travail. Il ne faut pas voir ça comme un travail. J'insiste vraiment, hein, je me répète, mais c'est vraiment un état d'être. C'est ça qui est vraiment le plus important. C'est un état d'être, il n'y a pas de travail à faire. Il faut voir le positif le plus... Alors, je sais que ce n'est pas simple. Et là encore, il n'y a pas eu de personne, mais il y a par exemple des gens qui ont vécu des décès. Il y a par exemple, et bien sûr que tout le monde, on est, comme on dit, on n'est pas tous égaux devant la mort. Et c'est vrai. Et là, je prends de problèmes très graves. Il y a des personnes, des moments qui viennent me voir, qui disent « j'ai vécu un décès, moi je suis complètement à bout ». On ne peut pas savoir comment on peut réagir dans des cas extrêmes comme ça. Et même moi, si je perds un proche, je ne sais pas du tout comment. Même si je crois, même si je sais qu'il est d'autres choses, il y a des douleurs, des moments qui sont très fortes, qui sont difficiles à enlever. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, il faut essayer de voir les choses positives. Ce n'est pas un travail, c'est pas, il n'y a pas de concentration à faire pour avoir de la loi d'attraction, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des mantras. Moi, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de dire tous les jours, eh ben, je suis guéri, je suis riche, j'abonderai. Il n'y a pas besoin de ça. Il faut simplement se dire, je sens que ma vie est en train de s'améliorer dans tous les domaines. Et dès qu'il se passe une petite chose, eh bien, il faut le dire. Une chose que je n'ai pas dit, que j'ai oublié, qui est importante, c'est les signes. Alors, c'est très important. Dans la vie, je parlais des gens clés, mais on a aussi des signes. Alors, ne faites pas comme j'ai un ami, lui, je lui ai expliqué, j'ai eu le malheur de lui expliquer qu'un jour, par exemple, un livre qui tombait, il avait une question que tu te poses, le livre, il tombe et il va s'ouvrir à la page. Alors lui, ce qu'il fait, il prend n'importe quel livre, puis il fait toutes les pages jusqu'à qu'il trouve une réponse qui l'intéresse. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça, un signe. Un signe, c'est vraiment quelque chose qui est clair, qui va vous tomber, qui va vous se mettre sous vos yeux. Donc, je n'en avais pas parlé. Voilà, j'ai rajouté ça maintenant. Et c'est vrai, ça complète la question suivante d'Alain. Merci beaucoup, Claire, pour la tienne de question. Alors, Alain qui nous disait « Comment savoir si nos rêves sont en accord avec la volonté de notre âme, avec notre plan de vie ?» Merci, Michel. Merci, Nora. Est-ce que ces signes ne sont pas, par exemple, une indication qu'on est sur la bonne voie ? Si. Par contre, attention, méfiez-vous, il n'y a pas des signes partout. Et ça, c'est important, ce que je vais vous dire, parce qu'il y a des gens qui voient des signes partout, même trop. C'est pareil, alors là c'est quelqu'un de proche de moi qui voit des signes partout. Un tel lui a dit ça, donc ça veut dire ça. Il y a quelqu'un qui est tombé en vélo devant elle, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle prenne sa voiture quoi que ce soit. Non, il n'y a pas des signes partout. Il y a vraiment ce que vous ressentez et ne vous mettez pas en tête de rechercher des signes partout. C'est vraiment très important, sinon vous allez vous bloquer pour tout. Encore une fois, c'est le ressenti. Soyez bien, soyez cool. Il y a une phrase qui dit « la vie est un jeu ». Et la vie, effectivement, c'est un jeu. Il faut arrêter de se marteler de tout un tas de questions. Vous avez des gens qui se posent des questions tous les jours, sans arrêt. Il faut vivre au jour le jour. Il faut profiter pleinement de ce que la vie vous propose chaque jour. Et c'est ça le plus important. Et les rêves, bien sûr, tout le monde a le droit d'avoir des rêves. Ces rêves, eh bien, il faut se dire que si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez les concrétiser. Une fois, il y a une dame qui m'a dit « mais moi, je sais que je ne pourrais jamais voyager ». Je lui ai dit « bah oui, vu comme ça, on ne pourrait jamais voyager ». Et puis après, quand on est décortiqué, je lui ai dit « mais commencez déjà à économiser un petit peu ». Et puis, commencez à prendre des catalogues, regardez le pays qui vous intéresse. Et bien, elle s'est mis ça dans la tête et elle s'est dit « ah bah oui, elle voulait aller à l'île Maurice ». Elle m'a dit « bah, j'irai à l'île Maurice un jour ». Parce qu'elle m'a dit « bah, pourquoi ça serait inaccessible ?» C'est elle-même qui me faisait les questions et les réponses.
Mais encore une fois, ce n'est pas grâce à moi. Je l'ai simplement ouvert à quelque chose. Ce n'est jamais grâce à moi. C'est si la personne veut, eh bien, elle le fait. Merci beaucoup. En ce qui concerne les signes, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui nous a rejoint et qui a entendu à ce moment-là le petit commentaire d'une autre personne qui parlait du fait que quand elle voit que le ciel est gris, elle se dit c'est sûrement des extraterrestres qui se cachent derrière les nuages. Et donc cette personne a marqué un commentaire en disant bah tiens, j'ai pensé exactement la même chose aujourd'hui, donc c'est rigolo de voir la conférence et d'avoir exactement ce même commentaire. Est-ce que ça serait ce genre de signe de synchronicité? Moi, j'aurais envie de dire que c'est pour moi, hein, en ce qui me concerne, c'est un signe quand ça m'émerveille. C'est-à-dire qu'un signe, on ne recherche pas les signes, tu as bien raison de le dire, parce que le fait de chercher, on en trouve plein là, à ce moment. Ou alors pas du tout, ou, voilà, on est à côté. Non, c'est quand il se passe quelque chose, qu'on lâche prise, et d'un coup on se dit « Ah bah ouais, tiens, ah, c'est marrant ça, ah bah c'est quand ça m'émerveille, je me dis, et je fais des liens, et je fais « Ah ok, bon bah voilà ». Ce n'est pas un signe qui est recherché, c'est un signe qui est trouvé avant d'être recherché en fait. Alors qu'il n'est pas forcément cherché. Et les signes, parfois, sont vraiment très, très, très puissants. Ça peut être un mot vraiment révélateur. Vous allez entendre un mot, quelqu'un va vous dire un mot, vraiment au moment où il le faut. Mais tout n'est pas des signes, tu as raison. Oui, c'est vrai. Comme un jour, je me disais, tiens, est-ce que je devrais aller chez le dentiste? Et j'allume la télé, je tombe sur la publicité avec une grande mâchoire. C'était une publicité pour du dentifrice. Mais, ah oui, tiens, d'accord, ok. Mais voilà, c'était rigolo, ce genre de choses qui font rire. Voilà, les synchronicités, c'est agréable à vivre. Alors, je poursuis toujours avec Alain qui nous dit « Quelle importance accordez-vous, Michel, au processus de lâcher prise dans le processus de matérialisation dans le cadre de la loi d'attraction ? Merci à vous deux pour votre présence. » Alors, j'ai du mal à comprendre la question, en fait. Pareil. C'est pas moi. Le lâcher prise dans la matérialisation. Ouais. S'il peut développer, parce que je ne veux pas faire l'instruit en répondant, je n'ai pas tout à fait compris. Alors, c'est-à-dire que, tu sais, il faut aussi penser à ce qu'on voudrait, penser, le visualiser, comme tu parlais de la voiture tout à l'heure, la Ferrari. Bon, bah, quand tu disais quelle marque de voiture, une Ferrari, une Porsche, une Twingo, voilà, moi je voulais une Twingo, j'ai une Twingo. Non, c'est. Comment elle s'appelle, ma voiture? Bah si, je crois que c'est ça. Je ne suis même pas sûre, en fait. Ouh là là. C'est une grosse... voilà, on peut ranger plein de trucs. Ça reviendra. Je la vois bien, mais... j'ai plus. D'accord. Tu me la montreras, je te dis. Voilà. Je pense que c'est ça. Mais je me trompe avec les marques de voiture. Donc... C'est pas vrai. Mais sur ta question d'ailleurs sur le portrait chinois, tu m'avais dit quel véhicule, si j'étais un véhicule, pourquoi? Et moi, si j'étais un véhicule, ça avait répondu à un mulet. J'aimerais bien être un mulet, tranquille, peinard, voilà, si j'ai même pas parlé de voiture. Sur 100 portraits chinois, tu es la seule qui m'a répondu ça, mais je ne suis pas surpris. La coule douce et pas trop vite, apprécie le paysage. Enfin, voilà. Moi, pour moi, ça me parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc, on visualise tout ça et quelque part, c'est de là où il dit, c'est pour ça qu'il dit matérialiser. Donc, ça doit être vraiment clair dans notre tête pour qu'on puisse le matérialiser dans notre tête et ensuite pouvoir le recevoir à ce moment-là parce qu'il n'y aura plus de flou. Ce sera évident, on veut la maison qui soit à peu près comme ça, la voiture comme ça. Il faut penser à ça dans sa tête. Et à quel moment il faut lâcher prise? Parce que ça prend du temps, on se pose dessus et en même temps, il faut lâcher prise. Donc, c'est-à-dire que on envoie le message, on va dire que l'onde, comme on avait commencé l'émission sur ces fréquences, sur ces ondes qui sont envoyées, donc on envoie l'info, c'est comme ça, et puis ensuite, on n'y pense pas et on se détend. Non, ce n'est pas ça lâcher prise, ce n'est pas ne plus y penser. Alors c'est vrai, ça aussi, c'est une bonne question, parce que, par exemple, tu as pris un bon exemple, c'est l'exemple de la maison. Je veux une maison, à la limite, je veux même aller voir une maison qui correspond, d'accord? Le lâcher prise, il intervient dans le fait que je veux me dire cette maison, je la veux, je l'aurai. Je ne me soucie pas de savoir comment je l'aurai, mais je l'aurai. Ça, c'est lâcher prise. On ne se pose pas la question de comment on va l'avoir. Par contre, ce n'est pas pour ça qu'il faut plus s'en occuper de la maison. Tu comprends ce que je veux dire? On a le droit même de la dessiner, de se dire, ben moi, il y aura telle fenêtre, il y aura telle porte, il y aura tant de pièces, il y aura un jardin, il y aura ci, il y aura ça. Ce n'est pas pour ça que là, on n'a pas lâché prise. Le lâcher prise, il se fait dans comment on va l'avoir. On se dit, je sais que je l'aurai,
Je ne me pose pas la question de savoir comment. Et là aussi, comme on disait, ben, il viendra peut-être un signe où un jour quelqu'un, un promoteur, va nous proposer une maison à tel endroit, va nous arranger pour faire un crédit. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de visualiser la maison. Oui, mais excuse-moi, je rigole parce que je te remercie beaucoup pour la réponse. Du coup, j'ai entendu à côté, mais ça m'a perturbé cette histoire de voiture. Je suis allée taper Twingo, j'ai regardé les photos sur Google. Je me dis, ah ben non, c'est pas ça ma voiture. Bon, quand Nora. Non, mais du coup, j'ai trouvé. C'est une Kangoo, pardon. C'est une Kangoo, d'accord, très bien. Bon. C'est super important, je suis vraiment désolée. Ouais, c'était important, ça. Là. Tout le monde sait que t'as une Kangoo. Alors, oui, bon. Est-ce que la réponse convient? J'espère. On est en train de perdre Nora, les amis. Pardon. Alors, écoute, au cas où, on va poursuivre quand même avec Alain. Et encore, j'en pleure de rire. Qui nous dit la suite de sa question. Quel est le plus grand de nos pouvoirs selon toi? Pardon, c'est pas bien. Excuse-moi là. Alors, quel est le plus grand de nos pouvoirs selon toi, Michel, parmi le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'imagination et celui de nos émotions? Merci à vous deux pour votre présence, Alain. Pour moi, c'est l'émotion. Parce que l'imagination, comme je disais tout à l'heure, ça reste quelque chose qui n'est pas concret. Ça reste encore dans le domaine de la pensée. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand Alain, s'il est avec quelqu'un qui l'imagine, lui parler ou quoi que ce soit, ça restera dans l'imagination. Par contre, quand tu es avec quelqu'un, que ça soit un ami, que ça soit quelqu'un qui t'impressionne, peu importe, là, tu es dans l'émotion. Et c'est là où ton cœur bat, c'est là où ton cœur parle vraiment. Pour moi, le plus important, c'est l'émotion. Et de toute façon, quelqu'un qui fait quelque chose avec son cœur, il va toujours être dans l'émotion. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de ressenti. Ben, le ressenti, c'est l'émotion. Mais on ne peut pas avoir l'émotion aussi sans penser. Bien sûr qu'on va toujours être amené à penser à quelque chose. Mais pour moi, le plus important, c'est l'émotion. Quelqu'un qui te donne quelque chose, si c'est simplement en pensée, c'est pas très, très, c'est pas super, quoi. Alors que quelqu'un qui va te donner en tendant la main, en étant très chaleureux, il va être dans l'émotion et ce qu'il va recevoir va être dans l'émotion aussi. Mais il faut pas oublier ce que j'ai dit au niveau des ondes tout à l'heure. Eh bien, l'émotion va attirer l'émotion, le cœur va attirer le cœur, etc. À part si on tombe sur des gens vraiment qui sont fermés, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est l'émotion. Pour répondre à Alain, c'est l'émotion. Merci beaucoup. Merci. Je pense pareil. Alors, Eric qui nous dit, Michel, c'est le Umberto de l'attraction. Merci, merci. Nora, j'avais aussi besoin d'entendre certaines choses. Merci à vous deux. Ouais, c'est bien. Moi, je le remercie aussi. Ça m'a fait tellement de bien cette soirée que voilà, j'ai la pêche, j'ai envie de rigoler. T'as raison, c'est ce qu'il faut. Alors, Florence qui te dit merci, merci pour tous ces conseils, vous êtes formidable. Surtout toi ce soir, merci beaucoup Michel. Bah, je la remercie aussi. Alors, énormément de commentaires de sympathie, je vous en remercie beaucoup. Alors ensuite, je vais voir s'il y a une autre question là tout de suite. Bah, y a Camille qui te dit « Merci Michel, vous êtes un conférencier hors pair car très agréable à écouter, cela coule de source chez vous. Oui, on a plaisir à vous entendre, c'est du bonheur de penser, comme vous dites, de façon positive pour attirer le bien, l'attraction fait loi. » Ça me touche, très honnêtement ça me touche. Tous ces témoignages me touchent vraiment. Alors c'est sûr, comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a tellement de personnes qui sont contentes ce soir que vraiment ça me touche énormément. Il faut me dire. Je remercie toutes ces personnes. C'est peut-être pour ça que j'ai tous ces commentaires en haut. Peut-être que tu devais les entendre. Il y a Ula qui te dit « Bonsoir Michel, Nora, tout le monde. Encore un intervenant exceptionnel. Merci. Le mécanisme de don de soi que Michel explique est très vrai. J'en ai fait l'expérience. C'est aussi étonnant que beau. » Ula. Ensuite, on a Kachina qui nous dit « Merci, merci. » Comment procéder quand on est paralysé par la peur, l'angoisse? Comment changer notre vibration pour mettre en pratique la loi d'attraction? Trouver le bon état, transmuter. Merci, merci, toute ma gratitude, Kachina. Donc, voilà, comment faire quand on est paralysé par la peur et l'angoisse? Mais déjà, la peur, ce n'est pas quelque chose de foncièrement négatif.
c'est la peur qui va nous permettre, c'est un exemple aussi que parfois je mets dans la conférence, comment on sait que le feu ça brûle? Parce que c'est, on a mis la main une fois dedans. Après, le but c'est de pas laisser sa main tous les jours dans le feu parce que là on va être carbonisé. Mais la peur c'est utile. Après, comme la souffrance, la peur, il ne faut pas en faire son allié. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Et comme je prenais l'exemple tout à l'heure de l'avion et du parachute, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Et si on veut vraiment, après, il faut se donner les moyens. Mais c'est tout à fait normal qu'on ait peur. Moi, avant de cette conférence, ben, même si je suis confiant dans ce que je fais, ben, j'avais une petite peur aussi. Ça ne m'a pas empêché de faire la conférence. Alors, la peur que, même si je suis dans la loi d'attraction, ben, la peur en espérant que cette conférence plaise à tout le monde, que ça se déroule bien. Là, ça s'est super bien déroulé. Si, c'est une bonne ambiance. Moi, j'adore. Je suis vraiment heureux de faire ça. Mais pour lui répondre, en fait, c'est pas, la peur, c'est pas un ennemi. La peur, ça nous préserve beaucoup de dangers. Mais encore une fois, faut pas en faire son allié de la peur. Et puis, on a le droit d'écrire, dire, mais en fait, j'ai peur de quoi? Souvent, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui nous fait peur? Et souvent, il n'y a pas grand chose. Très, très souvent, on se dit, mais en fait, je suis stupide, j'ai peur de ça, mais souvent, on a peur de choses qui vont jamais se réaliser. Donc, la peur, c'est pas un handicap. Et il faut aussi se poser la question pour savoir de quoi. Est-ce que ça remonte pas à l'enfance? Est-ce que ça remonte pas à des échecs qu'on a vécu parce qu'on a déjà essayé telle et telle chose? C'est ce que je dis, par exemple, aux femmes qui sont seules. C'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de très difficile avec un homme que ça va être pareil avec tous les hommes avec qui vous vivez. Ça aussi, c'est de la peur. Ça peut être un blocage. Eh ben non, tout le monde n'est pas pareil. Tu comprends? Donc, la peur peut être utile. En condition, là aussi, comme la souffrance, de ne pas en faire son ami. Tu viens de parler d'un aigle, non? Il me semble. D'un aigle? Un métaphore d'aigle, j'ai entendu le mot aigle. Non? Oula, bah toi, en plus, tu fais de la voyance là, maintenant. Bon, il y avait un commentaire là-dessus tout à l'heure, j'ai cru l'entendre cette fois-ci, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, si je me vois comme un aigle, est-ce que si j'y pense très fort, est-ce que ça peut le faire? Je pense que là, métaphoriquement, et je croyais t'avoir entendu en parler, et je me dis que finalement, le symbole de l'aigle, il faudrait qu'il recherche finalement cette petite remarque juste comme ça à la volée. Je t'invite, donc, à la personne qui a posé ce petit commentaire, à rechercher un petit peu ce que signifie l'aigle, la signification de alors, ça. Alors, ça, je peux te répondre. Ça, je peux te répondre sans difficulté. En fait, quelqu'un, moi-même, j'adore les aigles. Alors, c'est peut-être aussi. Mais ça a un double sens. En fait, l'aigle, c'est un oiseau qui est assez imposant. C'est un oiseau que l'on respecte, mais c'est aussi un oiseau qui est en l'air, donc qui n'a pas toujours des racines sur la terre. C'est un oiseau qui aime dominer, mais pas dominer spécialement les autres, mais qui aime voir d'en haut ce qui se passe en bas. Alors, c'est bien, mais il ne faut pas être non plus, c'est ce que je dis toujours, trop dans les spiritualités. Pour avoir un bon équilibre spirituel, il faut être aussi enraciné. Il ne faut pas être toujours la tête dans les nuages. Il ne faut pas être toujours en l'air. Il faut aussi être sur terre. Et ça, c'est important. Il a bien fait de poser cette question parce que si vous voulez évoluer spirituellement, ne soyez pas toujours que dans les nuages. Il faut aussi être très, très, très enraciné. Pour ceux qui connaissent les chakras, le chakra de la terre, la couleur rouge, elle est aussi importante que la couleur violette qui est la couleur de la spiritualité. Donc, l'aigle, c'est bien, c'est bien et c'est pas bien, peu importe, mais c'est quand même assez, c'est de la force, c'est majestueux, mais il faut pas non plus rester toujours en l'air, c'est important. Merci beaucoup, merci, je pense que du coup ça demandait à être rappelé, c'est peut-être pour ça que je l'ai réentendu et il me semblait que c'était toi, mais tant mieux, on a eu un bon développement, je te remercie beaucoup. Dans le portrait chinois, c'est pour ça que j'en parle. Quand quelqu'un me dit l'aigle, j'explique souvent ça. C'est pour ça que ça a été facile pour moi de l'expliquer là maintenant. Merci. Et je viens de comprendre pourquoi j'ai eu ce fou rire sur cette histoire de kangou. C'est vrai que j'avais vu un commentaire que j'avais sélectionné de quelqu'un qui avait dit « Je demande un fou rire général ce soir ». Et je vois que finalement, beaucoup de personnes ont un peu rigolé de ma non-connaissance en véhicule. Voilà. Donc, finalement, le souhait était exaucé. Bah, je te remercie beaucoup parce que rigoler, c'est vrai que ça fait du bien. Donc, mais moi, quand je me lâche et que j'ai un fou rire, ça peut durer un moment. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me rattraper. Sinon, on finissait la conférence à 2h du matin. Oui, mais je pense que c'est pour ça que les gens t'aiment aussi, parce que tu es quelqu'un de naturel, d'entière, et il ne faut pas que tu changes.
Bon, ben non, mais j'ai pas envie, hein. C'est trop compliqué de changer. C'est beaucoup plus simple de vivre comme on est. Et par Exactement. contre, je m'excuse d'avance pour ceux qui aimeraient que je sois autrement et je ne suis pas tout à fait comme ils le désiraient. Peut-être que ça leur donnera des idées pour faire eux-mêmes les choses, comme ça m'en a donné à moi pour faire cette chaîne sur le grand changement. Voilà. En tout cas, bah, écoutez, j'en profite pour vous remercier tous très très fort. Il est 22h23 en plus, voilà. Donc, j'adore les doublons. Je t'avais dit que ça allait durer. Oui, mais c'était tellement agréable. C'est du wow. Là, ce soir, on est en freestyle parce que j'avais vraiment eu un super bel échange avec Michel à Saint-Étienne quand on s'est rencontrés. C'était vraiment génial. Tu m'as appris beaucoup. J'étais impatiente de faire cette conférence avec toi. Je pense qu'on va en programmer une autre, notamment sur la loi d'attraction, mais plus ciblée sur les jeunes, les très très jeunes aussi. On en a parlé un petit C'est peu avant, bien enfants et sûr. ados, enfants et ados. Notamment ce que je disais, ce que tu expliquais sur le harcèlement, les discriminations, ceux qui ont des complexes, ceux qui sont pas sûrs d'eux. J'ai aidé beaucoup de jeunes enfants aussi. C'est un peu différent. Alors, c'est toujours une conférence sur la loi d'attraction aussi par rapport aux jeunes. Donc, il y a aussi des répétitions de ce que je viens de dire, mais elle est beaucoup plus orientée par rapport aux enfants et ados. Voilà, c'est important de le dire. C'est quand même sur la loi d'attraction par rapport. Je suis pas psychologue, hein, comme je dis toujours, hein, mais c'est par rapport à la loi d'attraction, comment les jeunes peuvent l'adapter aussi pour eux. Eh ben, j'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on cale une Bah, date très vraiment. prochainement et qu'on cale une date très prochainement, mais qui ne sera pas pour tout de suite parce que le planning est rempli jusqu'à février, donc il faudra attendre un petit peu, je vous le dis d'avance, hein. Il y a plein de belles émissions, de super intervenants qui nous rejoignent, dont Michel ce soir et que j'ai déjà très hâte de pouvoir retrouver. Moi Merci aussi. énormément, n'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires là avant la fin. De toute façon, je fais un copier-coller que je vais transférer directement à Michel. Merci énormément pour vos encouragements, vos soutiens. Moi, je vous remercie très très fort pour votre présence ce soir. On a été encore très nombreux dans les 3000 personnes. Hein, je vous le dis, vous regardez le chiffre Google Plus en bas, vous multipliez par 4 et vous savez à peu près combien nous sommes ce soir. Donc, on est de plus en plus nombreux à chaque fois, dans les 140 000 vues par mois. Donc, les gens veulent s'informer. On avance et on partage les infos. Et ensuite, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez de votre côté. C'est vraiment à vous de réaliser la vie telle que vous souhaitez la vivre et celle qui vous fait du bien, qui vous rend heureux. Parce qu'en plus, le bonheur, c'est communicatif, ça se propage. Donc, tout le monde en profitera autour de vous. Donc, n'hésitez pas. Exactement. Et puis, moi, voilà. Et moi, je vous retrouve. On est d'accord sur plein de points tous les deux. Je suis contente qu'on habite pas trop loin. Et on va se voir hein, entre-temps. Je vous remercie très, très fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, un très bon début de week-end à tous. Et comme d'habitude sur ma chaîne, je laisse le mot de la fin à l'invité de ce soir qui est Michel Guénier. Je t'en prie, Michel, c'est à toi. Moi, pour conclure, ben déjà, vraiment, je voudrais te remercier du fond du cœur, et tu le sais. Et Merci. puis, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes parce que ça m'encourage vraiment à continuer ce pourquoi je suis fait. Là, j'en suis convaincu de plus en plus chaque jour. Et c'est vraiment, vraiment, vous m'avez vraiment touché. Je suis vraiment sincère en disant ça, d'avoir autant de témoignages, d'avoir 3000 personnes. D'habitude, je fais des conférences, il y a 40 personnes. Là, d'avoir 3000 personnes avec toutes ces remontées positives, vraiment, je suis touché. Je suis très, vraiment très, très ému ce soir et vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. C'est tout. Merci. Voilà, mais merci Laura. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée.